Et comment ça va? Je sais pas pourquoi j'ai la capuche. Salut à tous, comment ça va les gars? Putain, moi la vérité, je suis pas encore remis de, du voyage quoi. J'ai encore la tête euh, sur la côte euh, en vacances. Putain. Je vous jure quoi, revenir à, revenir à Quito ça m'a foutu le cafard. Hein. Comment ça va vous? Alors, euh, combien on est? 12, 12, démarrage classique. Yo, value au fromage, comment ça va Ça fait longtemps. Bah ouais, en même temps, j'étais en vacances. Et, euh, et euh, j'allais dire, j'en ai bien profité. Euh, Est-ce que tout est ok Le titre Et oui, à 17h30, je serai sur la chaîne de Poker Crusher. On va passer en revue un petit peu sur YouTube. Pareil, c'est un petit peu une émission impro. On va aller sur, sur YouTube, voir un petit peu le contenu qu'on nous propose sur le poker. Peut-être peut éventuellement découvrir des chaînes poker intéressantes. Ça, c'est à partir de 17h30 euh, sur la chaîne de, de Poker Crusher. Et nous, en attendant, bah, comme tous les mardis, pour ceux qui savent, c'est la spéciale bet 2 invest où on focus sur bet invest On parle de leur actu, on parle de leur blog, éventuellement, ou euh, là, leur concours. On va en parler du concours aussi, euh, qu'ils qu ont sorti. Et ça, c'est vachement intéressant parce que pour tout le monde, enfin euh, tout le monde peut participer. Et, et sur l'année, ben, celui qui a le, le plus gros ROI. Euh, sur, euh, voilà, il faut faire minimum 400 bêtes en un an, donc jusqu'à fin août. Euh, celui qui a le plus gros héroui à ce moment-là, il remporte 5000 euros. Elle est, elle est propre, elle est belle, et après, c'est par palier. Alors évidemment, hein, le héroui euh, élevé, il est, il est vachement haut. Euh, va falloir run très good, hein. là, il récompense quand même, euh, le clairement le plus chanceux sur 400 bêtes, euh, qui, qui va avoir un meilleur héroui. en plus sur un an, allé sur un an, donc euh, j'imagine qu'il y en a qui vont être malins et qui vont réussir, on va dire, à prendre très très peu de bêtes par mois et prendre les plus grosses values possibles pour essayer d'avoir le plus gros héros bah c'est le but pour ce jeu, pour, euh, pour espérer euh, gagner quoi. Et mettre toutes les chances de son, de son côté pour, euh, pour gagner. Alors, bonjour bonjour, yo, Phony Sophie l'appelait. Ça me fait rire ce pseudo. Merci pour ton premier message, mais c'est vrai, euh, tu, tu l'aimes pas euh, Sophie euh, Je l'avais rencontré, j'avais échangé une fois avec elle à, à Dublin. Je l'avais trouvé sympa, hein. la croupière. Yo, yo, comment va de retour des congés aussi T'es parti quelque part Oui, je suis parti sur la côte équatorienne euh, pendant 10 jours. Euh, 10 jours, euh, non, une semaine, pardon. Yo, Vina comment ça va Salut Albator, salut Peter Peter The Killer. Non, elle banne pour rien. Bon, allez, allez alors je te l'autorise une fois. Une fois, le, le Poufias. Pas deux. Ah oui, c'est vrai qu'elle qu elle est, euh, est modératrice aussi euh, chez, euh, chez Winamax, je crois. Mais non, 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 on évite les insultes. Hein. T'inquiète, oui, non, mais t'inquiète, on évite. Enfin, j'avais compris que tu n'avais pas dit non plus, euh, voilà. Bon, mais c'est... Euh, je ne tolère pas, mais, 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 mais t'es là, t'inquiète. Tout va bien. Euh, D'ailleurs, ouais, putain, j'ai vu qu'on était... Bon, je... tant pis, je laisse la catégorie poker parce que hier, j'ai lancé un stream MTT. Euh, on s'est fait éclater. Voilà, on a joué le ticket. Euh, on avait un ticket 125 euros pour le 3 millions. On a joué les séries. On s'est juste fait déchirer la gueule. il voilà, y avait un, rien à dire. On a fait un moins 300. Ah non, on est qualifié pour le day 2. Le day 2 du euh, que je vais jouer demain avec 4 blindes et demi. Hein. Le day 2 du 2 euros giant euh, mes meilleurs coups. Cool, Là, hein, je sais pas comment on dit. Et euh, mais bon, mais bon, je suis au day 2 de ce 2 euros super. Euh. Le, le 2€, mais bon, on sait jamais parce que j'imagine que le 2€, je crois que ça va finir à peut-être un peu moins de 200K garanti Il euh, y aura beaucoup à la gagner, on sait-on jamais si je chatte. Ma foi, putain, franchement, c'est beau. Hein. Pour un 2€, tu peux gagner, il euh, y aura peut-être 15K en -15 top ou plus, je sais pas, avec les KO. Mais euh, putain, ça, c'est beau quand même. Hein. Pour un 2 balles, quoi. En même temps, pour lancer des MTT, faut vraiment être motivé. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien jouer des MTT de temps en temps, mais par contre, ce qui me plaît surtout, c'est surtout de le stream, en fait. C'est pour ça que, genre, je lance rarement des MTT de mon côté, et dès que je décide de lancer une session MTT, elle est automatiquement streamée sur ma chaîne, parce que, ben, c'est ça, enfin, c'est le partage, c'est euh, discuter euh, tout en jouant des tournois. Euh, voilà, et, et streamer ça, quoi. Donc c'est pour ça. Mais sinon, lancer des MTT tout seul dans mon coin, à part si, euh, si j'ai des... Euh à part si j'ai des, je sais pas, des tickets gratuits, enfin des trucs que je dois jouer, quoi. Et dans ce cas-là, des fois, je le joue hors stream. Mais sinon, euh, par exemple, ce dimanche, à voir, hein. ce dimanche, si je suis là, je, je stream parce qu'il y a le. Yo, Serge Abitball, ça fait longtemps. Comment ça va, le média parieur sur Twitter Mais ouais, je suis assez d'accord que, putain, d'ailleurs, respect. Hein. <laughs> Tout seul, le PC passe par la fenêtre en 10 minutes. Mais c'est vrai que ça. ça, ça, ça rend fou. Comment il va après les vacances Franchement, je suis encore un peu, un peu fatigué, j'ai encore la tête là-bas. J'ai beaucoup aimé, tellement à un point, que si jamais je reviens en Équateur, mais à, enfin a priori, il y aura un retour en France, hein, il y aura... Là, 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 je suis dans le flou complet, hein, au sujet de où est-ce que je serai. Euh, S'il si faut, dès, dès le mois prochain, je ne suis plus là. Euh, Peut-être euh, je reviendrai l'année prochaine ici, mais, mais ça serait pour vivre sur la côte. Peut-être je ne reviendrai pas, aussi, ma foi. On ne sait jamais euh, dans la vie ce qui peut se passer avec Madame euh, ou autre, mais, euh, mais en fait là, là, je, là je suis dans un mood les gars où je me dis mais tout est possible je suis pas là en mode euh, j'ai même pas envie de faire des plans enfin je, je, je sais pas enfin, euh, tout peut se passer s'il faut euh, s'il faut je, je suis en Colombie ah ah putain ça ça, ça ça cut ça a cut non non avec Madame ou non non si jamais ça se termine avec Madame le but c'est pas c'est pas de chercher d'en chercher une autre non non c'est justement de de rester, on va dire, seul, euh, clairement. Mais, mais c'est pas, pas le but, hein, c'est pas le plan, mais, euh, mais bon, faut, faut, faut réfléchir, quoi. Faut, faut réfléchir. Euh, non, c'est bon, ça, ça a coupé ou pas, là Attends. J'ai eu un moment de cut. Dites-moi si vous m'entendez, là. A priori, c'est revenu, là, la connexion. J'ai eu un cut, ça, mais ça a duré une seconde, je crois. Ça a duré une seconde. On est 20. On est là. Ah, bah ok. Oh, j'ai pris... pris deux cas sur, euh, sur des erreurs Unibet pendant la finale de l'US Open. Eh ben fallait euh, fa fallait faire croquer. Euh, il y avait quoi des erreurs C'était des erreurs en live, tu veux dire Unibet.fr, ils, euh, ils ont mal ajusté des cotes en live, c'est ça que tu veux dire ben VGG, Serge Abitbol, elle est belle. Ouais, il est un peu fort, tu vois. Le vengeur masqué, j'ai pas la ref, non, c'est Good. Ok, euh, ça on va fermer. Ah oui, j'ai déjà ouvert ça pour, euh, pour tout à l'heure. Bon, sinon, et, et le, le Monopoly, vous en êtes où Là, je vous ai partagé un petit peu des bêtes. Euh, bah, tiens, j'ai pris un bet là, je vais vous le partager. Euh, ceux qui font la promo euh, Monopoly, franchement, elle vaut le coup. On peut dire ce qu'on veut, mais alors, ça vaut le coup. Alors, c'est quoi le, le bet que j'ai pris là ce matin euh, j'ai vu que la cote elle était un peu haute, c'est a, a, a priori EV0 selon le marché mondial au tennis. Euh, Alexandrova. Alexandrova contre Ostapenko. Putain, alors les noms euh, en tennis, euh, peut-être que c'est des gens très connus, mais alors euh, moi ça me, ça me dit rien. Ostapenko, j'ai pris la cote à 2 de Alexandrova. Euh, parce que ben, sur Winamax, il la propose à deux donc c'est pour la carte à 1,75. Euh, ceux qui l'ont pas déjà fait et qui veulent me suivre, là, je vois que sur. Euh, euh, non, là, on n'a rien. Ouais, sur euh, là, ça propose du A93 de chaque côté, donc c'est un 50-50, clairement. Ah, 1,96 maintenant Ok, elle est un peu baissée. Ben, moi, je l'ai pris à 2. Euh, bah, écoute, on est au-dessus de Pinnacle, c'est-à-dire qu'à 2, si on en croit le marché mondial, euh, c'est un bête. Euh, bon, là, ok, c'est pas tout à fait pareil sur Exchange. C'est un poil favori, mais bon, poil de cul, là, clairement, enfin, euh, si c'est EV-, ça l'est très, très peu. Euh, et donc, je pense que c'est clairement une bonne option euh, de bête Alexandrova. Euh, voilà. Alors que l'autre, c'est compliqué, puisque je crois qu'elle est à 1,80. Euh, ça va clairement être EV-, a priori, euh, si on en croit le, le marché mondial. Et donc, voilà, pour la carte à 1,75, j'ai pris ça à cote à 2. Et euh, donc, voilà, si vous voulez suivre, euh, ma foi, vous faites comme vous voulez. Attends. Non, ça, ouais, je, je, je sens le troll complet, évidemment. Hein, Funny Sophie qui nous dit Moi j'ai suivi Nassim Prono93 sur Insta. J'ai mis 10k sur la France ce soir à 1.32. J'ai le alors Encore une fois, le plus important c'est euh, déjà parier ce que vous êtes prêts à perdre. Peut-être que pour 10k, pour toi c'est rien. alors J'ai compris que c'était une vanne, hein, mais, mais je le faisais comme si c'était pas une vanne. Euh, sur la France, tu parles de ce match Ah, mais non, c'est friendly. Euh... Non, pas du tout. À 1,32, dedans, mais le plus important c'est la cote. Le reste on s'en bat les couilles, les gars. Le plus important au pari Sportif, en tout cas si tu cherches à générer des profits sur le long terme, il n'y a que la cote qui importe. Le reste on s'en bat les couilles. Tu peux pas dire, je sais pas, euh, même si tu paries sur un outsider, mais, mais que c'est une cote à 50, alors que s'il faut sa cote elle est à 10, bah tu sais que c'est value. quoi, Le plus important, c'est de gagner, comme dit Wina, oui. Après, sauf que oui, sur le point fr c'est quand même un peu plus complexe de gagner. Même s'il y en a qui arrivent, hein, et c'est pas la question. Eh, hey, merci Jocap, euh, merci pour euh, ton sub prime. Oui, la mise, c'est quand même important. Bah, du moment que tu te mets pas dans la merde, en fait, j'ai envie de te dire. Tout dépend de ce que tu recherches, en fait, dans les paris sportifs. Si, encore une fois, t'as envie de jouer pour le fun, en mode... Allez, je parie de temps en temps... Et si je perds, je m'en bats les couilles, en fait, je cherche même pas à maximiser mon EV, je m'en bats les couilles. Et ben dans ce cas-là, voilà, tu paries, euh, essaye de parier, voilà, des petites sommes. Ce que t'es prêt à perdre, dis-toi que c'est perdu et tu le joues en mode fun et on s'en bat les couilles. Ouais, oui, mais on est complètement d'accord. Bien, mais bien sûr, Albator, que, que moi, mon unité de mise, c'est de 300 balles. Je mets 300 balles sur une cote à 2, voire même des fois sur une cote à 3. Forcément, je vais pas mettre 300 balles sur la cote à 15. Euh, voilà, donc euh, évidemment, il faut, il faut réduire de beaucoup. Je t'ai envoyé l'erreur en DM sur... C'était incroyable. Euh, si tu sais que le V est là... Si tu sais que le V est là, il faut mettre le max que tu peux te permettre de perdre et c'est tout. Bon après... Encore, encore une fois, tout dépend de, de ce que tu cherches à accomplir dans les paris sportifs. Si tu cherches à t'y mettre au taquet, que tu cherches à, voilà, à générer des profits, à, à passer énormément de temps, parce qu'il faut passer du temps aussi. Hein. En fait, c'est simple, c'est soit tu passes du temps toi seul de, de, de ton côté, mais énormément de temps, tu essayes de développer un petit peu des, des modèles, des stratégies, tu essayes de voir ce qui marche, ce qui marche pas, mais ça te prend un temps fou. Ou alors encore mieux, tu suis les bonnes personnes, Voilà, tu, tu fais que suivre des personnes, tu t'en bats les couilles, c'est-à-dire que même moi... Hein, moi, je suis des personnes hein, quand, quand il s'agit des codes boostés, euh, value sur Winamax. Il y, y a plein de fois, je check même pas. Hein, dès que je reçois une alerte, je, je pose 50 balles. Je regarde même pas l'intitulé. C'est allez, on pose. Euh, moi, j'ai confiance en la personne. Je sais comment elle travaille. Euh, je voilà, je sais comment elle procède. Allez, on prend. Enfin, j'ai pas de temps à perdre. Enfin, en fait, sinon ça là le temps. Vous l'avez vu, le début de mes streams. Qu'est-ce que j'ai fait Vous étiez là, hein, début de mes streams. Euh, je, je, je passais tout mon temps en mode allez on recherche des codes boosté value et en gros je passais en revue tous les bookmakers.fr et euh, alors qu'au final je pense que c'est pas intéressant de faire ça en stream dans le sens où bah, vaut mieux le faire seul de son côté et après ben si tu veux partager ben, tu partages et au moins ça voilà il y a les gens qui veulent voir et ils ont reçu une alerte mais du coup c'est mieux de proposer en stream quelque chose on va dire de plus général dans les paris sportifs pour éviter on va dire je sais pas de passer euh... les gars je vous avais proposé des streams à l'époque où j'étais où j'avais passé une heure et demie à clairement être là entre PMU, regarder les marchés, le marché mondial et tout, et au final, pendant deux heures, en fait, il se passait rien, tout ce qui se passait, c'était, ben, on voyait chercher, alors certes, des fois, je prenais des bêtes, des fois, non, mais, euh, mais voilà. Alors... Ah, attendez, je, je, je lis un MP, deux secondes. Ah, merci, ok, une suggestion. Bah, bah, justement, je comptais voir un petit peu les tipsters. Ok, bah, merci, Value au Fromage. Je le, je le, je le garde de côté. Et on va le voir maintenant, d'ailleurs, en stream. Parce qu'on va aussi parler donc, de Bet2Invest, donc ceux qui sont sur la plateforme. Euh, ceux qui jouent le jeu, bah, voilà, de, 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 de créer un bilan. Et de proposer des bets. Et, euh, et puis voilà, et puis voir. Lis mon message. Hein? Hâte, je, je comprends pas. Attends, lis mon message plus haut. Alors, attends, désolé, Rimon. Ah, hier débat. Ah, ok, pardon. Désolé, je, je l'avais même pas vu. Hier débat avec Naido sur son Discord qui complète son combi avec une cote à 1,02 pour arriver à une cote à 15. C'est faire ou pas Pour moi, c'est un spew total. Non, bah, tout dépend combien elle vaut, sa cote. Hein. Euh, si c'est une cote, euh, voilà, si c'est une cote à 1,02. Et que sur le marché mondial, elle est aussi à 1,02 même en enlevant la, la commission, c'est-à-dire en transformant la cote en un tour, tour joueur à 100%. Franchement, une cote à 1,02, 1,03 en plus. L'avantage des petites cotes, enfin de ces petites cotes, à condition que le tour, tour joueur soit très haut, évidemment, hein, parce que voilà, des fois tu peux avoir une cote à 1,02. Si sa cote elle est à 1,02 alors qu'elle vaut 1,1, c'est un spiou. C'est clairement un spiou, Voilà, il n'y a, a rien à dire. Si elle vaut, euh, si elle est 1,02 et qu'elle vaut plus de 1,1, c'est un spio Mais après, si elle vaut même 1,03, selon le marché mondial, sachant qu'en plus, le euh, comment dirais-je Si, sachant qu'en plus, sur les petites cotes, il y a moins de commissions en général. C'est-à-dire que si, sur le long terme, entre favoris et outsider, euh, tu euh, en général, voilà, quand il y a un, un match très déséquilibré, en général, ça sera surtout sur l'outsider sur que la cote, elle sera en général trop basse par rapport à sa juste valeur en moyenne. Et du coup, il y a moins de règles que sur la petite cote. C'est-à-dire que quand tu prends des cotes à 1.1, 1.2, si t'es proche du TRJ 100%, en général, tu devrais limite même pas perdre d'argent. Limite. Donc au final, sa cote, oui, je l'ai lu le débat. Je suis sur le Discord, hein, donc je l'ai lu. Et euh, j'avoue, ça m'a peiné. Ça m'a peiné parce que, ben, voilà. Vous vous êtes un peu envoyé sur la gueule, on va dire. Euh, en fait, il a fait un combi de 3 bêtes. J'ai juste dit, pourquoi pas prendre 2 cotes pour arriver à 15 plutôt que 3. Bah, encore une fois, tout dépend. Si sa cote à 1 elle vaut, elle vaut maximum, je sais pas, un voire même si elle, à la limite, elle vaut un 0.4 sur le marché mondial. C'est pas un spio, quoi. Ça reste quand même un bête qui va passer. Euh qui va passer voilà 95% du temps donc enfin euh, ça va franchement ça va s'il avait besoin que de ça pour gratter pour arriver à 15 pour en plus il euh, y a levé de bah, d'arriver à la cote à 15 qui te permet de gagner une, la carte Monopoly moi ça me choque pas du tout loin de là clairement pas et d'ailleurs moi je dirais même limite si par exemple moi je veux jouer les, les sur euh, au Monopoly sur les cartes euh, cote à 15 si jamais j'ai une cote à 14 que je trouve bonne v0 ou value ou quoi bah du coup bah à un moment donné il va falloir réussir à la monter à 15. Et dans ce cas-là je vais choisir parmi tous les plus petites cotes euh, à 1, 0,2, 1, enfin pour passer à 15, mais évidemment, il faut, il faut, le plus important encore une fois c'est de savoir combien vaut cette cote. C'est-à-dire que oui, euh, Neidou, il a rajouté ça, bah oui, bah si ça vaut un 0.3 voire un 0,4 maxi, euh, y a, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, c'est même bien là pour arriver à la cote à 15 et arriver à l'objectif. Si c'est hyper... Encore une fois, tout dépend de lever de, de la cote. Tu me dis, c'est une cote à 1,02 alors que sur le point, point com, elle est à 1,10, 1,12. C'est moyen, même si, encore une fois, il y a levé d'aller le, chercher la carte derrière. Et ça, c'est pas négligeable, quoi. Surtout que s'il te manque en plus qu'une seule carte et que tu vas tu aller chercher 1500 euros de freebet derrière, t'es obligé de le compter un peu dans la cote, ça aussi, quoi. c'est faut le rajouter, en fait. C'est de l'argent en plus, quoi. Ce qui fait que même si ton bet est un peu EV-. Moins, si le bet y passe, tu vas tellement gagner en plus grâce à la promo qu'au final, ça rend, ça rend le bet value quoi. J'espère qu'on m'a compris. Tu m'as compris, Limon Mais ouais, ouais. Mais après, j'étais vachement peiné parce que tu vois, je vous apprécie tous les deux et que ça s'est direct envoyé sur la gueule et j'ai pas capté, j'ai pas compris. Enfin, euh, je je connais pas votre histoire. Et euh, bon, mais c'est comme ça. Enfin, hein, l'essentiel c'est que ça, ça aille bien. Euh, alors. On en était où Putain, on est 30, les gars, merci. Je sens qu'il y a eu. Euh... Il. Ouais, bon, après, ouais, on va pas faire de drama. Il est fou, il m'a su. Bah, je sais pas, euh, voilà, enfin, on va. Parlez-vous-en -parlez MP, euh, envoyez-vous des, des vocaux, appelez-vous, enfin. Euh, euh... Mais ouais, j'ai pas compris ce qui si s'est passé non plus. Mais bon, je, je, je vais pas m'y mettre parce que je manque forcément des infos. Et puis, bah, voilà. Euh, il lui manque un que un, je crois, ça augmente pas le risque, non euh, ça augmente pas le risque, non. Il lui en manque que un. Je, je sais pas où il en est, mais oui, je, je crois qu'il a. Bah, de bah, toute façon, moi, moi d'ailleurs, moi ça m'a fait chier par rapport à moi. Enfin, là par rapport au jeu, c'est que le jeu a commencé Monopoly pile poil quand moi j'étais en vacances. Euh, à ce moment-là, donc j'ai quand même loupé beaucoup de. Yo, merci White7490. J'ai loupé beaucoup de, de spots. Et en fait, le problème euh, du jeu Monopoly, j'ai vu qu'il y a quand même deux contraintes qui m'ont cassé les couilles. Déjà, il faut que le match il saute en 48 heures max. Ça, c'est un peu chiant parce que clairement, des fois, on peut trouver des values plus en early market. Et aussi, quand tu joues une carte, par exemple, t as, t as, tu dois jouer deux cotes à deux, par exemple. Bah, une fois que tu as deux bêtes en cours, cotes à deux, ben bah, voilà, tu ne peux pas en jouer plus pour espérer gagner la carte. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça, bah, je ne savais pas aussi. Et du coup, le truc, c'est que, en gros, tu, euh, tu bêtes tu places tes bêtes. Et bah voilà tu dois attendre que le match il se termine qu'il passe ou qu'il passe pas et bah bon s'il passe t'as la carte mais s'il passe pas hop faut aller reprendre un bet euh, sur un match euh, sur, euh, qui a euh, sur 48 heures max et euh, voilà après le problème c'est que là la, la, la promo elle s'arrête le, le 25 enfin elle s'arrête le 25 euh, ouais là dans, dans moins de deux semaines et le problème euh, de ça c'est que par exemple si on regarde sur Monopoly euh, il faut passer trois cotes à 7, trois cotes à 6, trois cotes à 5, et deux cotes à 15 pour espérer le max Ah oui, oui, bien sûr qu'ils sont malins, mais il y a, y a plein de gens, je, je suis sûr, j'en ai parlé hier en stream, les gars. Cette promo Monopoly, il y en a plein qui doivent se dire « Oh putain, waouh, c'est ouf la promo, on peut optimiser et gagner de l'argent. » Oui, vous avez raison. Mais dans l'ensemble, il y a tellement des gens qui vont prendre des cotes catastrophiques que j'en suis sûr que grâce à cette promo, Wina se gave bien comme il faut. Et pas qu'un peu, je pense. Je pense que Winas va se gaver bien, parce que même si tu, tu joues bien, entre guillemets, regardez, vous avez deux cotes à 15 à passer. Mais les gars, deux cotes à 15, vous savez ce que c'est, deux cotes à 15 Déjà, tu peux bête deux matchs tous les deux jours, enfin, vu que c'est des matchs jusqu'à 48 heures match. Euh, max, pardon, tu joues deux bêtes, il ne passe pas, tu vas en rejouer deux, deux pour, sur les deux jours suivants et, et après et ainsi de suite, mais sauf qu'une cote à 15, les gars, même avec un run normal où vous renez un peu bad, un peu soulevé, mais la cote à 15, même si vous en prenez 20, vous allez en passer zéro en fait. Et vas-y, 20 fois 50. Et, et, et d'en passer zéro, et tu dois passer deux comme ça quand même. Hein. Après, il faut convertir les free freebets. Et ça, c'est ce à mort. Ouais, bah en fait, il y a les malins, enfin les, les plus intelligents, je pense, selon moi, enfin ceux qui optimisent et qui arrivent à convertir en moyenne, on va dire, 80% de leurs freebets en euros. Euh, et ça, c'est ce qu'il faut faire. Ou même 75, enfin hein, c'est déjà bien. Hein. Euh, c'est ce qu'il faut faire. Et t'en as plein euh, qui vont... Euh, oui, bien sûr, exactement. Albator, tu peux convertir sans risque à 80. Ouais, si tu fais les meilleurs choix, ça sera du 80, voire un poil plus, si vraiment euh, t'es bon dans tes sélections. Mais euh, mais mais après, pareil, il y en a, ils vont gagner des free bets. Il y en a ils vont gagner 100 euros de free bets. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont te le mettre sur une cote à 2, une cote à 3, Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les gens qui, qui ou même des petites cotes, mais c'est un spiu mais de malade mental. Mais bon, enfin c'est comme ça. Après, euh, après j'ai envie de te dire. Si jamais les gens, 100% des parieurs, ils savaient comment convertir des freebets à 80% 75, si 100% des, de ces gens savaient faire, et bien en fait, qu'est-ce qui se passerait Winamax, ils auraient un, un manque à gagner énorme, enfin, ils perdraient beaucoup d'argent, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils feront Ben, ils arrêteront de faire des promos. Donc, l'un dans l'autre, les gars, c'est peut-être une remarque égoïste que je vais dire, mais ma foi, s'il y en a qui comprennent pas, j'ai envie de dire, c'est leur problème. S'il y en a qui veulent faire de la merde, c'est leur problème, et même, je dirais même mieux. C'est grâce à ceux qui font de la merde, si euh, tu peux encore trouver des values sur le point .fr, euh, si jamais tu trouves encore des promos intéressantes, euh, et des trucs comme ça. Parce que sinon, bah, encore une fois, les gars, hein, si on gagnait tous de l'argent en Paris Sportif... Les gars, je vous rappelle que c'est quand même le seul jeu, fin, avec le casino, où c'est nous contre eux. Hein. C'est pas comme au poker. Hein. Au poker, t'es contre les joueurs, et le casino, il arrive derrière, il prend sa commission sur tout le monde, ma magnifique, il se régale. Donc il est content s'il y a du monde au poker, hein. mais en Paris Sportif... Si tout le monde gagne, on fait, on fait comment en fait il, il gagne comment le, le bookmaker Vous croyez qu'il gagne par rapport à des partenariats ou quoi Non, il gagne, il gagne sur nous. Hein il gagne directement sur les joueurs. Exactement, ce fun Sophie euh, l'appelait. Hein Et ce n'est pas une poufiasse. Je, voilà, je tiens à rectifier ce que tu as dit. Pour moi, ce n'est pas une poufiasse. C'est aussi grâce à ceux qui font nappes qu'on a des cotes gold, par exemple, exactement. Tu as, as 100% raison. Tu as 100% raison. Euh, alors... Et, euh, et d'ailleurs, je joue aussi les cotes à 4. Hein. Euh, d'ailleurs, je pourrais vous en partager. Mais je l'ai fait hier. Oh, oui, oh, alors dans les paris sportifs. Tu sais, ce qu'il y a de beau dans les paris sportifs, et, et ça, je trouve, je trouve ce monde fabuleux euh, des paris sportifs, il est fascinant. Pourquoi Parce que malgré tout, il y a quand même des gens qui se disent experts, qui sont eux-mêmes persuadés, qui euh, braquent les books, qui sont persuadés eux-mêmes qu'ils braquent les books, alors qu'en fait... Dans leur compte, alors soit ils font pas de compte et en fait ils perdent et ils s'en rendent pas compte, ou alors ils font des comptes, mais ils ont tendance à, à, à oublier les bêtes perdues, tu sais. Et ils pensent réellement qu'eux, ils braquent les boucs. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr, on y croit. Et en fait. Rassure-toi, il y en aura. Ah oui, non mais là, il y, a, il y a zéro souci à se faire. Il y a zéro souci à se faire. Et puis de toute façon, après, la fin du jeu, euh, tu peux pas plus compter sur le point FR, tu peux que compter sur Pinnacle et Betfair. Euh, tiens, d'ailleurs, j'en étais où Attendez, je vais vous montrer un, un match. Parce que là, là j'ai un match spécial. Là, c'est hors modèle complet. La Bolivie, les gars. Les gars, la Bolivie, j'ai je, je, du mal à capter la cote. Enfin, 1,57. Encore une fois, je, je le dis hier, s'il si y en a qui veulent suivre. J'ai euh, euh, parié contre l'Argentine Ok, sur ce match qui est aujourd'hui. Euh, là, ça dit 15h, mais en fait, c'est parce que décalage horaire. Enfin, en gros, le match, il est, euh, il est un peu plus tard. Le, je comprends pas. Ils vont jouer le match. En Bolivie, à domicile, au stade de La Paz, euh, un, un, un stade un des plus hauts du monde qui a plus de 3500 mètres d'altitude. Je sais pas s'il y en a qui se rendent compte, mais forcément, quand tu vis là-bas, euh, pour les Boliviens, ça va être du pain béni jouer dans ce stade parce que pour eux, ils ont l'habitude, ils sont frais. Faut savoir que quand tu joues très haut en altitude, il y, y a un manque d'oxygène. Euh, certains joueurs. Ils peuvent ne pas s'adapter du tout et clairement pendant une semaine être mal, avoir la tête qui tourne. Euh... Merde, oui, euh, oui, oui, avoir la tête qui tourne, j'allais dire ma ma c'est ben, Non, je l'ai mal dit en plus, mais en gros, la tête qui tourne. Et, euh, et en gros, et s'essouffler et en très peu de temps, c'est-à-dire que voilà, dès qu'ils vont faire un effort physique intense dans le stade, voilà, au bout de quelques minutes ou peut-être 30 minutes, ou j'en sais pas, il y a clairement des joueurs qui vont être en PLS. Alors après. Ça casse les couilles parce que c'est vrai que maintenant ils peuvent faire beaucoup de changements en Argentine, euh, enfin de, de partout, je veux dire. Ils vont avoir le droit jusqu'à 5 changements. Donc ça, ça va un peu avantager, Ça veut dire que voilà, dès qu'il y a un joueur qui va se sentir mal dans l'équipe d'Argentine, bam, ils vont, euh, ils vont faire sortir. Mais clairement, là, c'est un spot où pour moi, euh, le meilleur spot à prendre ici, c'est par exemple un Handicap plus 1. Euh, ici, hein, 95. Je trouve que c'est un très très bon. Euh, un très très bon bet. Euh, Asien Handicap plus 1 pour ceux qui ont un compte Pinnacle. Ceux qui n'ont pas de compte Pinnacle depuis la France, venez me voir en MP et euh, je vous accompagne et vous passerez par mes liens et ça permet de me euh, soutenir. D'autant plus que euh, bientôt, je ne sais pas quand est-ce que je le mets en place, mais j'ai un groupe privé Telegram et clairement, euh, il sera accessible via affiliation, je le dis, ou euh, via dons, via, euh, voilà, via des choses comme ça pour tous ceux qui me soutiennent. Et euh, c'est là où je partagerai euh, beaucoup de mes bêtes. Tous parce que je mettrai, euh, j'ai le compte Betwinvest, mais euh, voilà, j'en mettrai une partie. Tu mets Ronaldo en bolivie ça devient Guy <laughs> Ça, c'est très drôle, très bonne remarque. Voilà, et tu, il se met à, comme Guy et après, il se met à vendre des piscines. Hein, il se met à vendre des piscines après le mec. Euh oui, c'est vrai, personne compte combien ils perdent. Bah, après, fin, tout dépend. Il enfin, y en a, ils font exprès de pas compter ce qu'ils perdent. Parce que bah, forcément, ils ont une page Twitter. Euh, ah non, non, Alors, moi, les, les gars, sur Twitter. Mais ça, on va en faire une spéciale sur Twitter, Bet Analytics. Il faudrait que je fasse un, un, un truc, les gars. C'est un truc de fou sur les Bet Analytics. Tu regardes tous les Bet Analytics des tipsters sur Twitter. Les gars, c'est tout droit. Il y a même pas de variance, en fait. C'est ça qui rend fou. C'est-à-dire que. Ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de variance Genre, genre t'es obligé de te prendre des, des, des trucs comme ça, c'est obligatoire, en fait. Et t'en as. T'en as. Et alors, alors les, les plus fabuleux, vous savez qui c'est Parce qu'ils sont cramés juste au visuel. T'en as, re, regardez, bet Analytics. Donc, bon, évidemment, ça monte. Hein, le mec, il a 7%, 10%, 15%, oui, toujours plus. Mais c'est surtout, regardez le début du graphe. Il monte, c'est une montgolfière, le truc. Il monte, le graphe, il monte en montgolfière et après, ça part un peu sur le côté, mais ça fait que monter, tu sais. Mais le début, genre... Euh, mais le mec il a passé euh, je, voilà c'est 100 premiers bêtes, il en a passé 98 voilà euh, sur des cotes à 2 voilà ouais bah bravo bravo ah non il y a du champion hein. ah il y a du champion il hein, y a du il euh, a du mytho en masse salut Broken Files euh, bet to invest ah bah tiens d'ailleurs ça fait déjà une demi-heure euh, ah sur les paris il y aura toujours des abrutis au poker tant qu'on jouera humain contre humain idem ouais je, je, bah, je suis d'accord hein. tout, tout à fait d'accord mais non mais c'est ouf donc, oh putain, mais 43. Qui s'est fait passer le mot Putain, hier on, est, on, on était 5, Hier, on était cinq, on était à une table comme ça, un peu au restaurant. Bonsoir, on est 6, Voilà, euh, c'était ça. Mon stream au au poker en moyenne. Oui, ouais, une table, une table au restaurant, on était. Et là, euh, 43, bah ça fait une belle table quand même au restaurant si on devait tous y aller. Euh, 43, c'est quelque chose. Non, mais merci en tout cas, merci à ceux qui sont là. Euh, demain et après demain, c'est la spéciale YouTube. Je vous le dis. Donc YouTube, c'est simple, c'est euh, du React YouTube, vidéo YouTube concernant évidemment les paris sportifs. Alors euh, on va changer. Il hein, y a dix jours, on avait parlé de deux personnes, euh, la taverne des parieurs et euh, Paul Suissa. ça. Euh, voilà, genre tu le suis, euh, tu c'est bon, tu, tu, tu deviens multimillionnaire. Euh. Yo, 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 le Star System, comment ça va? Broken Files, salut, oui, je t'ai déjà salué. C'est Broken Files, c'est Betwinvest. Hein. Si jamais vous avez une question dans le chat à propos de Bet2Invest, vous pouvez la poser dans le chat et Broken Files pourra vous répondre. Les gars, 5 sur 5 UFC paru J'espère que vous m'avez suivi sur ce coup. Euh, tu tu l'avais dit dans le chat. Je t'avoue, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas percuté. Euh, alors. Euh, on en était où Donc ouais, demain, ça sera spécial euh, vidéo YouTube, react vidéo YouTube, alors forcément, on ira voir euh, tous les créateurs de contenu dans les paris sportifs, que ça soit euh, des, des parieurs, des pronostiqueurs, que ça soit, je sais pas, des gens qui travaillent dans le milieu euh, des paris sportifs, des reportages, euh, peu importe, tout, tout ce qu'il y a, quoi, et euh, voilà, et on fera des, des react là-dessus. Maintenant, ah oui, il y a 10 jours, justement, ah bah oui, oui, je crois que c'était lors du dernier stream, parce que ça me parle, ce que tu me dis, que tu avais parlé de l'UFC il me, semblait, il me semblait bien que tu avais parlé de l'UFC. Euh, d'ailleurs, ça hype de fou. Hein. Je vois que l'UFC, moi, ça ne me, ça me hype pas de malade, mais, euh, mais les gens, ils sont, ils, ils sont comme des fous hein, sur le match de l'UFC. Ah, bah il y avait Cyril Gann qui a gagné d'ailleurs. Et d'ailleurs, qui avait passé plein de codes boostés, d'ailleurs. Et ça, c'était pas mal. Bon alors, bet to Invest. Ah, d'ailleurs, putain, j'ai recadré. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que j'ai recadré et ça coupe un peu le haut. Là, on voit en haut, il y a marqué jeu concours, blog, nos offres, tipster, feed. On va parler du jeu concours. Ma foi, ça, ça c'est un petit peu euh, le, le gros truc du moment par rapport au concours. Et là, les gars, je peux vous dire très honnêtement, tout le monde a sa chance. Là, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de, euh, je sais pas. Ah, faut être absolument professionnel en paris sportifs, faut être parieur pro, vivre du betting pour euh, gagner ce concours. Les gars, pas du tout. D'un côté, c'est bien. De l'autre, peut... il y en a, ils peuvent dire, c'est pas bien. Il y a des arguments bons, des arguments contre. Euh, là, clairement... Alors, ma femme s'est mise à l'UFC maintenant. Ok, euh, merci, Fanny Sophie, euh, l'appeler. Tu viens d'où d'ailleurs Ça m'intéresse d'ailleurs. D'où vous venez tous là Allez, je commence par moi. Allez, on écrit tous dans le chat d'où ça vient. Hop là. Allez, on l'écrit. On écrit, moi, ça m'intéresse énormément de savoir d'où vous venez. Si vous habitez en France. Euh, en outre-mer, euh, si vous habitez dans la mer, si vous habitez dans un autre continent, ça m'intéresse. Bah arrête le bibitzer, je sais que tu viens de pas de Sainte-Maxime. Tu m'avais MP d'ailleurs. Merci bastinov 2 Merci pour le follow. Edimbourg, ça sent la connerie. Oustek, merci pour ton premier message. Reims, Reims. Strasbourg, très belle ville Strasbourg. Merci en tout cas Oustek pour le follow. Grand Est France. Reims, waouh, la vanne. Mais non, le baby-zer, t'es pas de Sainte-Maxime, je sais pas d'où tu es, mais. Euh... Enfin, tu es pas, ou wow. alors si tu l'es, euh, grosse surprise. Hein. Mais c'est toi qui m'avais envoyé un MP pour, euh, sur Instagram pour un euh, hein Pour euh, obtenir quelque chose Non Broken Files, pourquoi plus de tennis de table sur Bet2Invest ben, en fait, ça dépend de. <laughs> Grand test, exactement. Euh, ben, si, euh, si euh, Pinnacle le propose pas, c'est pas sur Bet2Invest. Encore une fois, Bet2Invest prend en compte les cotes de, euh, de Pinnacle. Donc, si ça sort pas sur Pinnacle, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais dire la vérité, Rimon. Hein, si les matchs de tennis de table sur lesquels toi tu bets ne sont pas sur Pinnacle, c'est un très bon signe. Pourquoi Parce que s'ils sont pas sur Pinnacle, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très très niché. Ça veut dire qu'il y a très très peu de, de, de data. Ouais, je sais, font chier sur Pinnacle. Mais d'un côté, tant mieux pour toi. Parce que toi, je sais que tu es capable de trouver des values sur le tennis de table, sur le point FR, malgré un taux-retour joueur catastrophique. Mais encore une fois, le taux-retour joueur fait baisser les cotes. Mais si jamais il y a une grosse erreur de cotes et que les cotes ne sont pas du tout euh, euh, ajustées, et eh ben voilà, grâce à ça, toi, tu peux trouver des values. Et c'est pour ça que sur Winamax ou d'autres sur le tennis de table, tu peux trouver des values. C'est-à-dire que malgré. Et d'un côté, un taux-retour joueur bas veut aussi dire que clairement les bookmakers ont très peu d'infos sur les matchs et du coup la meilleure façon de se protéger pour ne pas perdre d'argent c'est de, de baisser le taux tour au tour joueur, faire baisser les cotes au maximum pour euh, pas que les gens puissent trouver des values euh, pour ceux qui sont bons comme toi euh, visuellement ou autres, avec d'autres stats quoi. Mais, euh, mais donc ouais donc, et Pinnacle et j'en suis sûr que si Pinnacle le propose il proposerait des taux au tour joueur hyper bas aussi avec des limites euh, très très basses. Attendez. Je réponds. Tac, ouais. Ok. Oui, ça, c'est bon. Ok. Ah, bah tiens, Dorado, pro, pro, ah, Dorado pronostic euh, basket. Dorado basket, comment ça va La forme bien, les vacances, c'était super. La côte équatorienne, j'ai beaucoup aimé. À un point où, si jamais je reviens l'année prochaine ici, je ne vais plus vivre à Quito, la capitale. Euh. Franck a bien répondu en effet ah bah c'est cool merci ça fait plaisir on a été validé par Betto Invest euh, sur notre réponse ça fait plaisir euh, ouais ouais non mais la côte équatorienne alors pas la côte équatorienne faut faire très attention parce que c'est crénios mais tout dépend où tu vas là où j'ai été franchement c'était super euh, pas de sensation d'insécurité incroyable de toute façon ça m'a saoulé, euh... allez merci beaucoup Dorado merci beaucoup Dorado euh, pour ton sub putain là ça y est ça revient ça revient petit à petit là hein. Hier, on a, on a démarré la semaine tranquillement, en retour de vacances. On était quoi, une dizaine tranquille. Et là, il y a beaucoup plus de monde. Et donc, euh, ça fait plaisir. Et euh, je pense qu'on va, on va parler donc du concours. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense très honnêtement du concours Les, des points positifs et négatifs, selon moi. Euh, et je vais être direct il hein, n'y a pas de oui, non, non. Mais c'est un choix. Et, et d'un côté, plus j'y pense, plus je me dis que c'est plus sympa d'avoir fait que, que avec ce système. Pourquoi alors sur le système de les du concours, donc euh, ça dure un an, ok. Celui qui a le plus gros ROI, attendez, on va peut-être pas tout lire. Bon, il y a comment participer, je vous laisserai lire euh, tout. Hein. Là, on va pas faire une rédaction euh, non plus. Mais en gros, voilà, t'as les dotations. Le premier prix, c'est 5 euros. Donc le concours, il dure un an, ok. Le premier prix, 5 000 euros, si seulement le pronostiqueur il atteint un héroï supérieur ou égal à 12 avec un minimum de 400 bêtes sur les 12 mois. Donc en gros. Euh, Qu'est-ce qu que je veux dire par là Alors, je ne dis pas que c'est facile, euh, loin de là, euh, d'avoir 12%, c est, c est, ça reste quand même dur. Mais, sur 400 bêtes, je vous le dis, si vous faites 400 bêtes sur l'année, avec un run très good, ce qui peut arriver, on peut y arriver à ces 12%. Alors, ça va être très rare, va falloir être extrêmement chanceux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le concours, avec ces conditions précises, ça va quand même récompenser le plus chanceux. Alors, encore une fois, je, 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 je critique pas du tout. Et d'un côté, je trouve ça pas mal. Parce que, je, du coup, en ayant bien relu les conditions, je trouve que ce concours, absolument tout le monde a sa chance. Mais vraiment tout le monde. Tout le monde a sa chance. Vous pouvez même très bien. Euh... Rimon, vaut mieux prendre des grosses ou des petites cotes Ben, il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Le but, c'est ben, voilà, d'avoir le plus gros eroguie. Et de trouver des bêtes qui vont être rentables sur le long terme ou pas des fois même avec du run good tu peux vraiment euh, yo data prono ça, ça fait plaisir tiens ça faisait longtemps data prono qui était passé sur la chaîne d'ailleurs en vocal euh, qui est sur Twitter euh, moi je trouve que c'est pas mal alors voilà vous avez des exemples en gros si à la fin du, du concours il euh, y a un tipster qui a 12,1% de ROI et ben il gagnera 5000 euros mais les gars c'est un free roll en gros les gars c'est gratuit la participation oui ça ça c'est important de le rappeler c'est gratuit. Hein. Donc, même tous ceux qui font. Euh, qui, qui veulent essayer leur stratégie, vous pouvez le faire d'ailleurs sur bet invest que ça soit même publiquement ou même en privé. L'avantage, c'est que quand vous cliquez par exemple sur parier, que vous voulez poster par exemple un bet, allez, je veux dire Paris Saint-Germain, j'ai envie de l'apprendre à un 50, je ne vais pas le faire. Vous avez le bet max affiché, vous pouvez mettre votre nombre d'unités qui sera de entre 0,5. Pourquoi ça ne marche pas C'est mon clavier entre 0. 5 et 10 le maximum, ok. Et en gros, tu peux rendre ton bet privé ici, c'est à dire qu'en gros, si jamais tu as euh, tu veux essayer des stratégies, et ça, c'est super. Je sais que Dorado l'utilise, enfin, il me semble qu'il qu utilise aussi. Tu as une banquerolle privée, okay, c'est-à-dire euh, un bilan privé. Tu veux essayer une stratégie, je ne sais pas, tu penses trouver une stratégie euh, rentable sur le long terme, sur les matchs nuls, sur les over under sur les deux équipes marques, première mi-temps, pas, enfin ce que tu veux, on s'en fout. Tu peux essayer cette stratégie et ça, ça prendra les cotes de pinnacle en temps réel. Okay, et tu places ton unité de mise ici et tu peux mettre ton bet en privé. Et dans ce cas-là, bah, voilà, personne ne voit ton bilan, tu es là, tu es tranquille, tu essaies tes stratégies. Mais... Si jamais tu mets ton bilan public et que ça se passe très très bien pour toi, si tu as fait 400 bêtes sur 12 mois et que tu as un ROI énorme, tu gagneras euh, le concours et tu gagneras un des prix qui sont affichés sur le jeu concours. Les gars, c'est gratuit, c'est euh, cadeau de la maison. Euh, voilà, donc euh, c'est tout le monde a sa chance. Franchement, c'est ça que j'aime dans ces conditions. C'est que moi, j'estime vraiment que tout le monde a sa chance. Vraiment, il n'y a pas de. Alors, euh, y, vraiment, tout le monde a sa chance, les gars, je, je vous le promets. Euh, voilà, tout le monde, Voilà, évidemment, la stratégie, c'est de faire augmenter la variance le plus possible, je pense. C'est-à-dire que voilà, tu dois faire 400 bêtes sur 12 mois. Si tu veux euh, faire un bilan uniquement pour être éligible au concours, ben, le but du jeu, je pense, selon moi, c'est de ne pas faire trop de bêtes, c'est-à-dire de ne pas faire 3000 bêtes sur ton bilan euh, sur, euh, pendant un an. Mais sur ce, ce, ce bilan-là, tu peux essayer de, de, voilà, de rentrer, de faire 30 par mois, 30-40. Essayer de prendre selon toi les plus grosses values. Espérez aussi euh, avoir un run euh, très très good, c'est-à-dire d'avoir voilà, une variance très positive, d'avoir beaucoup de chance. Et si tu arrives, tu gagneras euh, un, un des prix qui sont là. Et donc euh, c'est donc génial. Hein. Voilà, comment participer voilà, Vous devez vous inscrire sur le site. Un seul compte de pronostiqueur par foyer. Donc voilà, faites pas le con. Hein. Alors là, ceux qui ont des comptes, euh, hein, ne, 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 comment, ne faites pas les ouf. Hein, a essayé de faire 5 bilans pour euh, qu'il y en ait un en espérant que un run très good et voilà. Salut David. La participation au concours est totalement gratuite donc c'est ouf. Publiquez, publiez vos, vos pronostics comme expliqué dans les règles spécifiques. Vous avez les prix. Alors je vais pas euh, rentrer dans toutes les règles techniques. Euh, mais, euh, mais en tout cas tout est expliqué là. Bah, je peux vous le mettre ici. Je vais vous, vous le mettre si vous voulez lire. Hop, copier-coller. Copier-coller. C'est ici, voilà, comme ça vous pouvez le lire de, de chez vous. Et c'est gratuit et c'est en plus le seul vrai site au monde, c'est le seul hein, qui certifie les bilans. Euh, voilà, c'est infalsifiable, mais c'est surtout que ça prend les cotes de Pinnacle en temps réel. Et en prenant les cotes de Pinnacle, qui est le seul bookmaker au monde qui sera le plus précis de tous en moyenne, 20 mails et après t'envoies le meilleur. J'ai pas compris. Ah, tu veux dire 20 bilans, tu fais 20 bilans et après tu, tu dis, ah, oh, celui-là, c'est le mien. Oui, oui, non. Ça, les gars, jouez pas au con. Parce que, ben, forcément, euh, vous... Euh, ouais, ouais, 20 bilans et après, t'envoies le meilleur. Ah, mais c'est ça, hein. mais en vrai, mais c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que si on fait 100 bilans différents, imaginez, on a un bot sur Bet to Invest, où on fait 100 bilans différents, et ben, en fait, il y en aura forcément un des bilans sur les 100, qui va run, mais extrêmement good. Il y en a, ils vont run extrêmement bad, évidemment, où tu ne vas rien passer, mais il y en a un. Tu vas run extrêmement good si tu fais 100 bilans différents, même en prenant au hasard. Et en vrai, tu peux arriver, tu dis hop, 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 c'est moi qui ai gagné le concours. Mais bon, ça ne marche pas sur Bet2Invest. J'ai lu un petit peu les conditions. Et croyez-moi que, que voilà, ça, tu pourras, ça va être compliqué de tricher. Donc, euh, que dire de plus Bon, je vous ai parlé un petit peu du concours. Bet2Invest, oui, donc je disais, c'est le seul. De nos jours, vous devez vous devez d'avoir de, un bilan, un bilan Between Invest. Ou alors si quelqu'un euh, vend un service et qui vous dit, euh, voilà, moi je suis fort et tout, dites-lui, ok, très bien, ben, fais un bilan sur 2 Invest. Ou alors même vous-même, si vous voulez suivre quelqu'un et voir s'il est bon, euh, imaginez, vous suivez un, un tipster gratuit que vous estimez bon euh, ou payant, que vous estimez bon, vous pouvez aussi le suivre en faisant votre bilan de votre côté, en prenant les codes pinnacle, qui seront en plus en général plus hautes parce que si le mec il propose des codes sur le point fr, en général, pas tout le temps, mais en général, la cote elle sera plus haute sur le point com. Euh, sur Pinnacle, pas tout le temps. Évidemment, il y a des exceptions comme le early market ou même des fois euh, en early market, des fois c'est sorti sur le point fr et pas sorti sur le point com. Dans ce cas-là, c'est un peu différent. Mais, mais voilà, vous pouvez vous faire des bilans comme ça. Et encore une fois, vous avez, comme je vous l'ai dit, une bankroll privée ici, qui vous permet d'avoir bah, un bilan euh, que, que personne ne voit par vous. Donc c'est parfait pour tester les stratégies et tout ça est gratuit. Alors, euh, les blogs. Est-ce qu'on va voir un petit peu faire le tour des tipsters, tiens On va faire un petit peu le tour des tipsters parce que je sais pas qui est là, tiens. Asian Betting. évidemment. Salut à tous. Oui, bien sûr. Salut à tous. Euh, on en est où On en est où Tiens, je regarde qui est là. Je regarde qui est là. Ok. Euh, bah tiens, je, je vais aller prendre. Un, on va aller voir un tipster là qui. Elle. Attends. Elle. Shaddai, qui nous vient d'où d'Angleterre. Oh I play with various strategies that make a great profit. Yes. Ok. Alors... Tiens, ça c'est Value au Fromage qui me l'a envoyé en MP. Euh, attendez, vous savez quoi Je vais me mettre comme ça. Pas du tout... Voilà. On s'était trompé de scène. Ouais, ça sera.. C'est un peu mieux comme ça, non Là au moins on voit on voit plus de choses. Alors qui, qui on a là qui on a On a un mec. Putain, mais alors d'ailleurs, la, la, la closing, là, il la défonce très très bien. Attends, je vais faire ça divisé par. Ouh, qui est ce monsieur il bat, il bat la closing de 0,05 en moyenne. Euh, qui est ce monsieur Ce monsieur m'intrigue. On va aller voir juste l'historique, les mises. Est-ce qu'il triche Non. Enfin, est-ce qu'il triche Ok, il met une unité. Bon, il en a mis deux à deux, Voilà, bah, ça s'écline au niveau des mises. Échelle de cote Échelle de cote, ok. Bon de toute façon on a la cote moyenne ici. Euh, Waouh, c'est un, un bilan intéressant. Hein. Ah oui, là on a un monsieur qui crush là. On a, ouais, après le betmax, oui. Il va être compliqué à suivre. Et encore. Enfin, euh, pas. Enfin. Pas, c'est pas parce que les mecs, ils ont un betmax hyper bas qu'ils sont très durs à suivre. Le seul truc qui va être chiant, c'est que forcément. Euh, lorsque... Euh, voilà, on voit que ce monsieur, par exemple, il parie sur des euh, marchés avec des liquidités minuscules. Euh, 128, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment tout petit. C'est-à-dire que... D'ailleurs, faudrait voir sur quoi il parie. U21, là... Finlande... À ah, quoi que non, là, c'est un, un peu plus gros, quand même. Mais il parie vraiment... Il fait early market à fond. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Parce que, clairement, euh, par exemple, l'Écosse... Euh, Finlande... Euh, première division en Écosse, Italie, série B. Là, ouais, là, c'est un, un, un expert, on va dire, qui... Qui fait que du early market d'un côté il a raison hein, parce que c'est en early market qu'on peut euh, qu'on peut obtenir euh, clairement des, euh, les, les plus belles values même si le retour joueur il sera un peu plus bas mais en général en early market les cotes sont très bas très, très peu ajustées. je pense que c'est quelqu'un qui a euh, qui a pris l'offre euh, pour avoir les alertes sur les cotes d'ouverture parce que clairement tu peux choper des grosses values là quand je vois un pmm aussi bas alors que il parie quand même euh, sur des marchés euh, qui sont censés avoir beaucoup de liquidités, ça veut dire que vraiment il se positionne. Bon après, là, là, là c'est des petites liquidités, là par contre. Hein. Espagne, troisième euh, division, groupe, ça doit être l'équivalent de CFA en France, le truc. Euh, en, en les femmes. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui focus une tonne. Euh, très intéressant, je vais le suivre, lui. Je vais le suivre pour aussi checker de mon côté. Lui, on va le suivre. Elle Shadai, qui nous vient d'Angleterre, ou du moins de Grande-Bretagne. Euh, ouais, un profil méga intéressant qui, qui défonce la cote de fermeture, ça c'est sûr. Enfin, qui défonce, pardon, euh, oui, oui, c'est ça qui, qui bat la cote de fermeture de beaucoup, enfin de pas mal en tout cas. Et il prend que des early market, c'est un profil intéressant, euh, j'aime bien. Alors, après, encore une fois, c'est vrai que le early market, oui, c'est vrai que c'est quand même early market contre fin de marché, qu'est-ce qui va se passer C'est évidemment beaucoup plus dur de crush le marché quand tu. Plus tu te positionnes tard, plus ça va être entre guillemets dur de trouver un bête value. Ou alors si tu trouves des values euh, proches du coup d'envoi, à 2h, heures, 4h heures du coup d'envoi, en général les, les values vont être plus fines, forcément, puisque le marché va avoir tendance en moyenne à s'ajuster de plus en plus. Plus le temps passe, euh, plus le match, enfin euh, voilà, plus, plus le début du match arrive, plus les codes vont avoir quand même tendance à s'ajuster en moyenne. Et donc forcément les values vont être beaucoup plus euh, petites. Euh, proche du coup d'envoi alors qu'en early market là il y a vraiment moyen après le problème c'est que voilà il va y avoir des bets max à 50 balles voilà bah comme là bah tiens tu vois 50 balles ça veut dire quoi ça veut dire que ici lorsque tu mets 50 balles, est-ce qu'on peut le suivre vous savez quoi je vais le suivre parce qu'il m'a l'air bon euh, je vais, on, on, on va essayer de prendre un de ces bets euh, alors attends euh, je vais essayer de prendre celui où il y a le PMM le plus bas après non ça oula attends U21 Minnesota le under 3 a voir, après peut-être que les cotes ont déjà trop chuté, mais ça peut être intéressant de, de le suivre. Euh, alors après, il, il a publié quand? Attendez date. Le match, c'est le 15, mais quand est-ce qu'il a publié? Ah bah je suis con, c'est écrit à côté. Il l'a publié déjà il y a un moment. Hein. Il a publié le 8, il y a quatre jours quand même. Et là, il a publié le 11. Bah il l'a publié hier. On va aller le voir, celui-là. Il pense le draw. Non, Coventry. Euh, Coventry Swansea. On va aller le suivre. 125, c'est vraiment peu. Voir euh, si euh, si on peut le suivre ou pas ou voir si les cotes ont déjà drop alors euh... attendez je vais me remettre comme ceci parce que j'aime bien j'aime bien être comme ça euh, merde c'est pas ça allez hop alors attendez deux secondes je vais me connecter à mon compte Pest 38 38 et voir combien on peut mettre et voir surtout l'influence sur les cotes et ça c'est méga important parce que ce que je vais vous faire c'est vraiment prendre un bet en direct et vous montrer quelle est l'incidence sur les cotes lorsque le, le le bet max il est bas et ça c'est important. Parce que là, quand le Betmax est à 50 balles, je vous garantis que la cote à 2.16. Je mets 50 balles dessus. La cote elle passe de 2.16 à, à 2.05. Hein. Donc alors, Coventry. Coventry. Mais c'est Coventry U21, non? C'était un truc euh, contre Swansea. Ah merde, ça joue déjà. Ah. Bah, tiens, merde. Alors attendez. Oui, c'est vrai que c'est un peu mieux d'aller voir directement si les matchs se, se jouent. Euh, ah non, ça c'est Major League Soccer, donc là c'est quand même différent, mais quand même, normalement il y a beaucoup plus de liquidités. Mais vu qu'il s'est positionné très tôt, il a pu bénéficier d'une cote qui, qui est value selon lui. Euh, alors ça, ça a été posté le 10, English League 2. Euh, ça on peut le voir, criwi cri oui, Attends, le match il est ce samedi. Je vais aller le suivre, voir après. Je pense que là le BetMax il sera un peu plus haut, donc ouais, 150-100 balles peut-être sur celui-là. Le match il est under 3,5. Allez, Celtic-Dundee. Under demi. Non, mais en tout cas, un compte intéressant. Hein. Celtic. L'Under 3,5. Celtic contre Dundee. Ok, l'Under demi. il a déjà baissé. Inférieur, attends, à combien il l'a posté pour pas que je le prenne trop bas par rapport à lui Parce que sinon, si une cote a trop baissé, et eh bien la cote, elle est euh, très probablement plus value du tout. Euh, en tout cas, selon lui, euh, il l'a posté Celtic Under 3,5 à 1,99. Il l'a posté. Moi, je l'ai à 1,94. C'est pas la folie quand même. Ça fait quand même déjà un écart de. Non, je vais pas le suivre. Ça fait quand même un. Ouais, ouais, ouais. On est sur plus de 2% d'écart d'Heroï. Euh... C'est bien ici. Salut Douda. Ah, je sais que ça te plaît, hein. Je sais que ça te plaît. Hein. Là, je sais que mercredi, jeudi, ça va être tes jours préférés lors du stream parce que les gars, c'est. Euh... Mais bon, on va arrêter avec l'intervention des parieurs. On a déjà vu leur, euh... enfin, plusieurs de leurs vidéos, euh... des vidéos sublimes hein, dans les paris sportifs. Avec, voilà, ils te vendent des formations incroyables où euh, tu es sûr de perdre de l'argent. Voilà. Euh... Et d'ailleurs, on, on, on nous a répondu indirectement. Oui, je l'ai vu, le. Dude, tu as posté sur le Discord le. Le Reels qu'il a fait, ou le YouTube Short, je sais plus, de, de Paul Suissa. Et oui, forcément qu'on était visé. Enfin, euh, de toute façon, le but c'est pas de rentrer dans des clashs, ça sert à rien. Euh... Paul, il a pris 12 cas ce week-end. Non, j'ai pas vu. Non, je t'avoue, j'ai pas vu. Mais euh... Mais bon, on va pas. Enfin, on va pas s'acharner sur lui après. Euh... Enfin voilà, c'est pas le but, c'est pas de prendre un gars et de le défoncer. Euh... Bon dommage. Franchement là le l'under 3,5, je l'aurais pris s'il était à 1.94. En plus aussi pour vous montrer l'impact que ça a sur la cote. J'ai envie de la prendre quand même. Pour vous montrer l'impact que ça a sur la cote parce que là vous voyez, je peux mettre 106 maximum et encore tout dépend des comptes PS38. Ah c'est sûr. Ah mais si ça me parle sur l'UFC. Mais oui, ça me parle, il a fait un truc sur l'UFC, il a pris une grosse cote euh, d'un outsider. Oui oui, ça me parle ce que tu me dis sur l'UFC. Alors je ne pas si que je savais pas que c'était 12K mais euh, oui oui, il a, il a partagé un truc bah oui, oui. Bah, regardez. Alors, alors là, je vais être très con si jamais ça drop pas. Je vais prendre ce bet à 106 euros. Ça va, ça reste une petite mise. Euh, ça a drop. Euh, voilà, il y a, y, a, y a quoi Il y a, y a 2% de héros d'écart si jamais il y a grosse value selon lui. C'est encore prenable à 1,94,3. Et regardez. Hop là. On vient de mettre 106 euros à 1,94. Et qu'est-ce qui se passe Voilà. Attendez. Non. <laughs> non, je suis comme un con si ça le fait pas. Voilà. La cote, elle est passée. Est-ce que vous le voyez je vais pas faire de zoom. Hein. C'est écrit les cotes sont passées de 1,943 à 1,925. C'est-à-dire qu'on a fait chuter la cote avec 100 balles. Euh, alors évidemment, c'est enfin, moi qui ai fait chuter la cote parce que j'ai parié dessus. Mais si ça avait été quelqu'un d'entre vous aussi sur votre compte Pinnacle ou PS3838 qui avait pris ce bet. Vous aurez fait aussi chuter la cote et ça aurait une incidence du coup sur les cotes directes sur le marché mondial. Hein. C'est euh, instantané quoi. Et donc voilà, là si jamais je remets 100 balles, je ne vais pas le faire. Si jamais je remets euh, 108 balles qui est le bet max ici euh, à 1,92,5, et eh ben ça va faire encore chuter la cote. Et c'est pour cela que c'est compliqué de, de suivre certaines personnes parce que forcément, quand tu trouves une value par contre proche du coup d'envoi à 6 heures du coup d'envoi à 3 heures, 1 heure, ce que tu veux. Les liquidités vont être très grosses à ce moment-là. Et en vrai, pour faire bouger les cotes, il va, va, va vraiment falloir Vince PKS. Le match de série B, pas trop drop. Euh, alors, le match de série B, pas trop drop. Venezia contre Spezia. Alors déjà, il y a un poil plus de liquidités, mais je peux, aller, euh, je peux aller voir ça. Spezia contre... Et là, ouais, je vous avoue que j'ai pas mes modèles d'ouvert, donc... Euh... Ah ouais exact ça pas drop euh, très peu même pareil euh, bon on va lui faire confiance après je vais pas prendre trop de bet non plus je le connais pas hein. s'il faut euh, il a juste run très good mais là pareil le bet max il est 150 euros c'est à dire que là c'est ce qui est important de savoir les gars c'est que ceux qui vous disent parce que moi je l'ai déjà vu passer sur Twitter il y en a un on, je dirais pas le nom, qui fait croire qu'il a aucun problème de liquidité. Le mec il, il parie sur des marchés pourris avec un Betmax max tout petit. Il parie sur des cotes énormes. Alors en plus, sur des cotes énormes aussi, ça fait bouger beaucoup les cotes. Hein. Si le Betmax max il est à 100 balles, ça a drop de 0,02. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon, la cote. Euh, ce monsieur que je ne connais pas anglais, il nous propose l'under euh, sur le match de Venezia contre Spezia. Euh, l'under à 2,04. Ok. Et ça, c'est à 2,02, donc ça va, ça n'a pas trop de drop, Si c'est une grosse value selon lui, je pense que je vais prendre. Enfin, je, de toute façon, là, j'ai pas le temps de, je vais pas checker euh, de mon côté euh, les euh, merdes. J'ai pas ouvert l'algo ni rien, donc, enfin, voilà, ça va prendre du temps. Mais là, je, je vais lui faire confiance sur ce coup. Euh, et et, et c'est aussi aussi pour vous montrer, voilà, 150, 150 balles. C'est parti, on clique. Lunder. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, on va voir, hein. je sais pas de combien va drop, s'il faut, ça va pas drop, s'il faut, il y a quelqu'un entre-temps qui a parié de l'autre côté. La cote, elle est passée de 2.02 à 2, vous voyez Alors, le drop, il est quand même petit, hein, je trouve. Hein. Je trouve que c'est vraiment un petit drop. Hein. Il y a certains marchés, euh, hein, dis-moi d'où de toi qui as travaillé pour Pinnacle, que, en tout cas, moi, j'ai remarqué par expérience. Euh, j'ai... Il euh, y, y a certains bêtes où je prends des cotes à 2, par exemple, en Argentine, en la Market argentine deuxième division quand j'ai le bet max à 100 ou 150 et que je place un bête je fais passer la cote de 2,02 mais à 1,95 quoi c'est marrant je pense que ça doit dépendre des euh, bah ça dépend des, des championnats quoi c'est quand même la série b italienne c'est pas non plus un marché de niche très niché non plus enfin ça va c'est euh, c'est un peu suivi quoi c'est pas non plus tu vois la, la deuxième division en Bolivie et, euh, et là voilà j'ai fait chuter la cote que de 2,02 à 2 donc euh, voilà, au final, c'est quand même suivable hein, pour les gens qui veulent parier. Alors après, tout dépend. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que si je voulais mettre, imaginez, pour moi, il y a grosse value à 2,02. Bah, si je veux mettre 500 balles, je suis dans la merde. Parce que je suis obligé de mettre 150 balles cote à 2,02. 150 balles cote à 2. Ça va sûrement redrop à 1,98. Et je vais remettre 150 balles à 1,98. Et en fait, chaque fois que je place un bet, bah, la cote descend. Mais vous, c'est exactement pareil. C'est pour ça que euh, les bilans euh, bet to invest sont. Parfait parce que du coup, il y a tellement de métriques que ça te permet, si tu comprends bien les, les métriques qu'il y a, donc comme le bet max moyen, euh, bon bah voilà, la cote moyenne, la CLV, le ROI, si tu sais maîtriser toutes ces métriques, et encore mieux sur bet to invest, c'est que vraiment tu as tout le détail, les gars, bilan par sport, euh, les championnats utilisés, tu peux, as tous les détails sur un bilan euh, public, hein, tout le monde peut le voir évidemment, hein, que ce soit un bilan pro payant ou pas, et donc là vous avez toutes les mises, donc ça c'est important, parce qu'alors ceux qui mettent du 10 sur 10, vous savez ce que j'en pense, les 10 sur 10, mais vous êtes trop mignon vous êtes trop trop mignon les 10 sur 10, hein et après faire des commentaires, euh, échelle de cote, donc voilà, on a les échelles, l'heure de paris alors ça je vous avoue que c'est pas, c'est une métrique qui est là, elle, elle est là, je vous avoue que j'en je je, tirerai zéro conclusion avec ça, mais, mais c'est là, si ça vous intéresse de savoir l'heure des paris, euh, type de pari, très important aussi pour savoir sur quoi la période pa euh, Paris pardon. Voilà plus ou moins donc les points donc c'est over under, 1x2, donc ça peut être un match nul ou deux, les et les asiennes handicap, Archive mensuelles. Et bah ben, voilà, on a le nombre de paris par mois, enfin c'est vraiment Méga complet, ça prend les cotes en temps réel et c'est la seule plateforme au monde à faire ça. Je vous le dis, c'est la seule. Pourquoi Parce qu'à côté vous avez Picchio. Picchio, c'est de la grosse merde. Picchio, d'ailleurs, putain, je, je vais me replonger dedans pour vous montrer des cotes encore. Des cotes à 2 alors qu'elles sont à 1.8, mais voilà, enfin, j'ai déjà fait des exemples. Euh, voilà. Suspicious Game, qu'est-ce qu'il nous propose Il a publié. Oula Alors. Lover 4 Mais c'est du live ou pas ça Bah ben non, non, ça peut pas être du live, je dis n'importe quoi. Allez, Suspicious Game qui propose, et là, vous savez, j'ai tout sur mon Telegram, vous avez juste à suivre un tipster, et dès qu'il poste un prono gratuitement, euh, voilà, ou sur tous les comptes, de toute façon c'est gratuit euh, dès qu'il passent pas pro, enfin, quand s'ils sont toujours pas pro, c'est gratuit, tu reçois tout sur Telegram, vous allez sur votre profil bettoinvest vous, vous mettez de que vous voulez recevoir les alertes sur votre télégramme il faut configurer le bot, c'est super simple. Hein. Moi qui suis nul Nord en ordi, j'ai réussi. Euh, c'est une étape, c'est super simple, c'est un clic, rentrer un numéro. Et là, je peux regarder sur mon bot, j'ai vu un bet de. Alors, Timor. timor l'est Et il parie l'over 4 sur ce match. C'est un match. Oula, Asian Cup qualification. Over 4, le monsieur nous dit. Over 4, cote à 2,46. Alors. Ah, il n'y a pas l'over 4, ça a dû sauter peut-être. Over 4, euh, attends, c'est bien ça, hein, tant que je ne fasse pas de conneries. L'un contre Macao. Over 4, point. Euh, point, enfin, over 4 à 2,46. Non, ils ont, ils ont dû le retirer. Euh, peut-être qu'il y a eu un flux de, de mise. Là, il y a le over 3,75 à 2,39. Euh, ben, ça me paraît good, hein, du coup. Je suis curieux de voir, ah putain il y a des, euh, c'est 300 balles quand même, c'est de, de la grosse liquidité ça, enfin c'est de la grosse, de toute façon de parler, hein, je me suis pas, hein. c'est pas mal hein, comme liquidité, hein. 2.39, ça vient de passer à 2.37, donc ça veut dire que là est, il est en train d'être suivi, et donc là vous pouvez le voir, hein, si la, la cote elle chute, c'est euh, tout simplement parce qu'il ben, y a des gens qui suivent et du coup ça fait chuter la cote. Euh... Même plus besoin de rentrer le numéro, il y a juste un bouton maintenant, ah bah ben, c'est top euh, value au fromage qui nous dit ah est-il prévu que Bet2Invest propose le live un jour mais vous le savez moi le live dans les bilans comme Blogabet le propose mais les gars c'est impossible à suivre un bet en live c'est pas enfin c'est trop compliqué à moins d'être présent c'est à dire que imaginez moi je vous propose euh, un stream où je, je suis un match en live et je pense avoir une value donc si je parle et tout et que vous regardez le match en direct et que vous avez votre compte du coup ouvert à côté là oui vous pouvez suivre mais c'est quand même assez dur de suivre un mec qui pique un bet en live. Le temps que tu reçoives l'alerte, tu ouvres l'alerte, tu regardes, tu vas chercher le bet, il s'est toujours passé. Euh, même si t'es méga réactif, il s'est toujours passé deux minutes. Mais les gars, en deux minutes, la, la cote, elle, elle a bougé, quoi. Voilà, Broken face qui dit c'est ça, oui, c'est presque impossible à suivre dans les conditions actuelles. On va attendre d'avoir l'auto-betting pour le mettre en place. En place. Oh, pas mal. L'auto-betting, c'est-à-dire... Ah, bah vous voyez, ils viennent de faire sauter en direct le match de Suspicious Game. Euh, de Pinnacle, donc ça c'est un signe en général. Hein, ils font sauter, euh, alors je dis pas que le match il est forcément suspect 100% du temps, loin de là, c'est jamais du 100% de toute façon. Mais ça veut dire que peut-être qu'il y a un doute chez Pinnacle que le match soit truqué ou alors gros flux de mise. Et du coup, ils se disent, Ouh là! là non, c'est passé live. Ah, c'est passé live, merci Dude, <laughs> merci pour la précision. Tu, euh, du coup, euh, tout ce que j'ai dit, c'était n'importe quoi. Ça, euh, bah, le match il vient de passer en live, merci beaucoup Dude. Euh, alors. Euh, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a sinon on va, on va faire un petit peu le tour des tipsters. Et du coup, la prochaine fois, on lira un petit peu les, les articles. Je vous avoue, il reste, même pas il reste 30 minutes de live. Euh, qui c'est qu'on peut voir d'intéressant Soccer Value, au moins 200 bêtes. Là, je, je suis sur du au moins 200 bêtes. Qui c'est qui a les plus gros héroïs sur au moins 200 bêtes Asian Beating, c'est très fort aussi, hein, les gars. Asian Betting, c'est du très très gros marché. Euh, C'est-à-dire que voilà il, le bet max, il est très très élevé. Il a 3.4% de ROI et croyez-moi que euh, c'est très très bien. Ah bah oui, abonnez-vous, oui, je suis bête. Il faut que... Euh, mode stream, hop là. Il faut que je... Euh, bah oui, forcément, il est payant. Hop là, pour seulement... En vrai, c'est même pas cher, hein, je vous dis la vérité. Hein. Pour 39 euros par mois. Enfin là, c'est des dollars, donc c'est moins que ça. Euh, non, non, non. non, non, mais celui lui il est vraiment très bon à suivre. Il va être facile à suivre. Il a un bet max très, 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 très élevé. Euh, mise. Je crois qu'il fait du 1. Ouais, il fait surtout du 1. Voilà, vous l'avez vu. Échelle de cote. Euh, heure de Paris, type de Paris. Non, non, lui, il est vraiment bon. C'est probablement le meilleur de la plateforme. Hein, je vous le dis. Voilà, il dit c'est un tipster professionnel qui fait seulement des mises sur des gros marchés, comme la première ligue ou autre. C'est très facile de suivre. Sans qu'il y ait des, des drops de code, ben ouais, c'est ça, c'est top, c'est un énorme avantage. Mais vous voyez, même ce mec qui est bon, vous voyez par rapport au bilan Betanalytics que je vous disais sur Twitter là, les gens, les, les top règles là, bah ben même lui, si vous regardez, il a des moments où il prend tempête. Hein. Regardez, hein, il a des phases où il prend très cher. Hein. Là, il a pris cher, là il a pris cher, euh, là il a pris cher. Et au final, ça c'est euh, ce que, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu un bilan classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'existe pas des bilans. Ils vont tout droit, sauf si tu prends que les values sur les codes boostés à 10 euros. Là, c'est différent parce que les, la, les, le ROI, il est tellement énorme que même si tu run bad, en fait, sur le long terme, tu vas faire que gagner, ça va être tout droit. Alors, du coup, oui, dès qu'on aura les autorisations Pinnacle, on mettra en place l'auto-betting. C'est pas vrai. Putain, mais ça va être énorme, ça. Genre, en gros, on pourra bet automatiquement, ça se fera automatiquement pour suivre quelqu'un, on pariera automatiquement. C'est ouf. Importé de Picchio non, non, lui il a importé de 2 Invest de la première version. Euh, depuis le 29 avril d'ailleurs, bah, de cette année, depuis mon anniversaire. 29 avril, c'était mon anniversaire, j'ai fait 33 ans. Euh, voilà. Mais non, mais au final, il n'a il a, il a pas beaucoup de bêtes sur to Invest vu que c'est importé. Euh... Ah non, je, je sais pas, je sais pas combien il en avait, mais bon, de toute façon, la première version de to Invest, ça revient au même. Hein, C'est-à-dire que c'était les codes de Pinnacle en temps réel. Et euh, voilà, c'est pas importé de Picchio. Euh... Ouais, putain, mais l'auto-betting, ça, ça va être beau. Hein. Putain, mais du coup, ça, c'est sûr que je vais l'utiliser. Hein. Euh, Yo, compte BFC, petit créneau de live dans ma caisse sur le retour du TAF. Ah bah, c'est cool, de BFC. Merci, là, on regarde un petit peu les tipsters bet to invest euh, qui sont là. Euh, ROI, replay, ça fait un moment qu'il n'a pas bet, d'ailleurs. Bon, il va reprendre, je pense, très, très rapidement. Qui on a, là, ici Klaus Wurst, avec 200 bets. Vas-y, on va, on va voir qui c'est, lui, je connais pas. Ah oh, putain, bah c'est énorme, Broken putain, qui est, qui est bet -to Invest, qui nous dit qu'ils mettront en place lauto betting, c'est ouf. Alors lui, qu'est-ce qu'il a Un Betmax euh, pas haut, mais pas euh, non plus méga bas. Bah d'ailleurs, j'ai à peu près le même. Euh, 232, il a 12% de ROI. Il bat. Tiens, je vais voir de combien il bat. Est-ce qu'il bat de beaucoup la closing 2,01 2,51 divisé par 2,32 Ok, 2,001, donc il l'a bat presque pas, enfin presque pas, avec la marge, mais ça reste plutôt un bon indicateur, je pense. Euh, sur quoi il bête Attends, c'est top ça Mais ça n'arrivera pas tout de suite, oui, oui bah, j'imagine, parce que oui, là j'imagine que c'est comme un truc de fou, c'est... Euh... Ça, ça doit demander des gros moyens, beaucoup de temps et une organisation impeccable. Parce que là, forcément, quand tu gères l'argent euh, des clients, il euh, n'y a pas le droit à l'erreur. S'il y a un bug, euh, ça peut, ne euh, doit pas être évident, même au niveau de, de la loi des protections. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, euh... bah, on a lui qui est pas mal, en tout cas, hein, sur ces sur bêtes. Lui, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Après, voilà, l'échantillon, il n'est pas haut. Hein, mais euh... Qui c'est -ce qu'on a en tipster Ah bah tiens, vous savez quoi on va aller faire le tipster, on va faire l'inverse. Ceux qui ont les pires héroïs, Et, et attention, c'est pas du tout une critique, hein, loin de là, hein, justement. Hein. Les pires héroïs, Sur 200 bêtes. Alors, on a Eldoni. 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 Qu'est-ce qu'il nous fait Ah, bah ben lui, il fait du 10 sur 10. C'est pour ça qu'il perd autant. Euh, là, en gros, même le mec, il a 10 sur 10. Faut pas regarder les profits hein, des gens qui font du 10 sur 10. Ça sert à rien. Donc, et lui, il fait que du 10 sur 10 quasiment voilà enfin on le voit ici on pourrait se dire waouh ouais, il a perdu 627 euh, unités ce qui est énorme hein. imaginez que vous avez euh, 10 balles votre unité de mise c'est 10 balles ou 100 balles ben, vous perdez 62 000 euros si vous le suivez mais faut pas regarder ça en fait il faut diviser par 10 un mec qui fait que du 10 sur 10 en unité de mise en gros il faut le diviser par 10 faut faire comme si c'était 1 en fait parce qu'évidemment c'est ridicule il y a personne qui va mettre voilà moi j'ai 300 euros d'unité de mise si je m'amuse à mettre 10 unités, donc 3000 euros sur chaque bête, je suis un abruti. C'est-à-dire que je, je suis inconscient. Et avec 3000 euros de mise, je run bad, je me broque direct. C'est simple. C'est-à-dire que je run bad, je mets 3000 euros par bête. Si je run pas good, si je run bad, je me broque. Donc forcément, faites très très attention quand vous voyez euh, les 10 sur 10 et que vous suivez. Euh, Divisé par 10, tout simplement. Divisé par 10. Donc euh, voilà, euh, dites-vous que lui, il a pas perdu 633 unités, mais euh, 63. Et euh, voilà, bah alors évidemment c'est pas ouf, hein, mais, euh, mais, mais lui c'est bizarre parce que lui il avait un compte où il était super up et il a tout remis à zéro. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il il veut tester des stratégies. C'est possible qu'il il teste une stratégie en public, il fait un gros volume. Euh, 455 bêtes, c'est pas mal parce qu'il était... Enfin, ça fait pas longtemps qu'il a réinitialisé. Alors euh, Ah oui, cet utilisateur a remis son compte à zéro une fois, c'est ça. Euh, Dorado, la closing, il la fracasse. Alors oui, oui, et... Après, avoir de combien, attends. Bah, je, je vais faire le calcul. Dorado. Dorado... Il est où Bah je suis bête. J'utilise pas la, 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 la fonction de recherche qui est, qui, qui est très simple à utiliser. Dorado. Dorado. Mais Dorado, c'est propre, hein. c'est tout droit. Hein. Ah bah là oui. Là, il a eu un petit moment d'égarement. Enfin, euh... d'égarement. Top 1 closing. Alors, oui, top 1. Alors, après, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport au, au nombre de bets. Mais oui, il bat la closing, clairement. Après, tout dépend des marchés. Parce qu'il y, y, y a du gros marché. Il me semble qu'il y, y a de la NBA et il y a aussi des, des marchés de niche. Et forcément, euh, c'est compliqué de regarder que la moyenne. Et là, il faut regarder plus en, en détail. Divisé par. Ouais, ça, ça la bat de 0,02, quoi. Ça la bat de 0,02. 0,02, ça correspond à quoi Si on regarde par exemple son. Euh, ici. Oh putain, oula, c'est élevé. Ouh, ça, alors là, il l'a défoncé. Hein. Là, il perd le bet. Euh, L'Allemagne contre la Serbie, il perd le bet. Mais alors, euh, putain, ça, quand ça fait 2-11 tout, euh, tout 1-70, ça, je peux te dire que c'était une sacrée value. Hyper. Hein. Mais ça, c'est la, la variance. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, un bet perdu n'est pas un mauvais bet. Et un bet gagné n'est pas forcément un bon bet. Hein. Là, on voit que si on regarde juste ce match-là. En plus, il n'y avait pas beaucoup de liquidités. Hein. Donc là, on voit que Dorado, il est capable aussi de trouver des values. Enfin voilà, sur, sur des, des gros marchés. 2, 11, tout 1,70. Ça, je peux vous dire que peu importe le résultat du match, tu peux être sûr que le bet est bon. Il y en a ils vont te dire Oui, mais la CLV, c'est pas un bon indicateur euh, Là, oui, en fait, oui, l'indicateur, euh, la CLV reste un indicateur et un indicateur, je pense, selon moi, fiable. À un moment donné, euh, moi, ma, mon explication, c'est qu'à un moment donné, si tu veux gagner, il faut au moins sans la marge, ne pas perdre, euh, ne pas être négatif en CLV, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont une CLV ici négative, faut pas oublier que la CLV ne prend pas la marge en compte, donc c'est-à-dire que si même sans la marge, tu as une CLV qui est négative, pour moi, peu importe, c'est pas bon signe, à un moment donné, je sais qu'il y, y en a qui, qui disent l'argument, ouais mais Franck, regarde, peut-être que selon la CLV, euh, il est censé avoir moins 2% de ROI, mais... Euh, mais en fait, il est, euh, les, les, les cotes qu'il trouve, c'est des cotes qui sont bien trop hautes par rapport à leur juste valeur en fin de marché. Et que du coup, sa cote à de moins 2, qui est censée être moins 2% en CLV, s'il ben, en fait, faut, il est à 8%, donc 8-2, enfin il est à au moins 6%. Alors je peux l'entendre cet argument, et je, je suis d'accord, mais par contre, est-ce que l'inverse existe dans ce cas-là Est-ce que l'inverse existe Est-ce que un mec qui a, selon la CLV, 3% de ROI, si on prend en compte que la CLV, euh, la Closing Line Value, mais qu'en en fait, à chaque bête qu'il prend, la cote, elle finit beaucoup trop basse par rapport à sa juste valeur et qu'en fait son héroïne est négatif. Bah ben non, en fait, l'inverse n'existe pas. Donc à un moment donné, je, je, l'argument de... Ah ouais, selon la CLV, il a moins 2% de héroï, mais il est tellement fort par rapport au marché que les bêtes qu'il prend, euh, c'est du plus 8%. Bah ben non, en fait, non, à un moment donné, il ne peut pas y avoir des écarts monstrueux entre la closing et... Euh il peut y avoir des écarts de 4-5%, à la limite, je pense, mais des écarts de 10%, euh, non. Non, franchement, ceux qui font 10% à la closing, je dis bien à la closing sur des grands marchés, c'est-à-dire qu'en gros, arrives en Première Ligue, en Angleterre, Liverpool, Manchester United, hein, genre, toi, la closing, arrives à déterminer que la closing, elle vaut plus de 10% de ROI Non. Non, non, faut pas oublier qu'avant nous, nous, on est des tout-petits hein, dans les paris sportifs. Moi, je suis une miette, hein, par exemple. Hein, et même Dorado... Qui est parieur pro au Mexique, c'est une plus grosse miette que moi, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y en a, ils font partie vraiment de syndicats où ils placent des 10 000, 50 000, 100 000 euros sur un bet. Et vous croyez que le mec, la, la cote, elle va rester comme ça. C'est-à-dire que si le mec, il met 100 000 euros proche de la closing, croyez-moi que les cotes vont bouger. Ou alors, si la closing, elle est value, ce qui est possible, je pense qu'il y a aussi des gens qui parient en live. Je commence à étudier beaucoup le live, les gars je commence à étudier beaucoup le live. Je vous le dis, enfin, je m'y penche de plus en plus sur le bet live. Alors, pas forcément pour prendre un bet en live, euh, voilà, attendre le live et prendre un bet. Enfin, oui, mais pas que ça. C'est aussi, aussi pour prendre des bets euh, juste avant le coup d'envoi, quand j'estime que sur des petits marchés, il y a vraiment des grosses values à la closing, dans le but de trade, et c'est surtout pour analyser... Enfin, euh, il y, y, y a quand même des tendances qui se dessinent dans ce que je suis en train d'étudier. Euh, par exemple, euh, des, des, des bets que je prends... Euh, par exemple, je parie sur l'équipe le, le, à domicile euh, à la closing et bam, la cote elle passe de 2 en live en même pas 5 minutes, genre à 1.8, ce qui me permet de dire que c'est un plutôt un bon indicateur. Ou alors, euh, au bout de 5 minutes, la cote a pas bougé, ça m'est arrivé sur d'autres matchs où je me suis dit ah bah là, c'est pas un bon signe. Enfin, je suis en train de, de tester des choses, on va dire. Pardon, je suis en train de tester des choses pour pouvoir parier en live et pour même, les gars, je vous dis la vérité, parce que vous savez que j'aime stream, j'aime ça. C'est ce que je préfère de tout streamer, ok Alors évidemment, des fois il y a du monde, des fois il y a moins de monde, et ça me... comment dirais-je Bah forcément, quand il y a, a pas de gens qui regardent, ça fait chier, tu te dis « putain, tu sers à rien, t'es là, on est 8 mais, ». Mais clairement, je compte, est-ce que ça vous intéresse, en mode « analyser des bêtes euh, » et pour parier en live Et là, dans ce cas-là, je diffuse, bah, à part le match, pour pas être strike, mais en gros, ça serait de proposer un stream où je regarde les matchs en live... Euh, j'affiche je, je, pas l'image euh, euh, voilà, sur le stream mais euh, j'affiche bah, les stats euh, en live par exemple sur euh, SofaScore, Flashcore, enfin j'essaie de voir euh, le setup, comment je fais et euh, essayer de me placer en live tout en checkant le match sur le côté euh, si ça vous intéresse euh, moi ça m'intéresse, euh, clairement moi j'ai vu qu'il y a eu des spots qui me paraissaient value à la closing que je voulais prendre en live euh... <laughs> d'accord euh... Attendez deux secondes. Et du coup, ben, pourquoi pas, genre, euh, dès que je, je vois un beau spot qui me semble méga intéressant, euh, passer en stream avec vous et euh, ben, checker en live. Enfin, euh, checker en live. Et vous me voyez placer un bet en live. D'ailleurs, Dorado le fait. Dorado. Le Dorado Show. Dorado. Non, c'est pas le Dorado Show. C'est le... Comment il s'appelle, son émission Dorado qui fait en live. Le, le Dorado Bet Show. Non, le... Live Bet Pro. LiveBaitPro, pro dorado il le fait aussi en live c'est à dire que et je crois qu'il a des bons résultats en live hein. euh, j'ai pas enfin j'ai pas de bilan euh, sous les yeux enfin de de lui en live mais de ce que j'ai lu de ce que j'ai vu que, eu, que mon retour euh, dorado il trouve des valeurs aussi en live et il le fait lors de son émission alors je sais pas à quelle fréquence il est là dorado ou pas peut-être qu'il est pas là mais en tout cas enfin je sais que lui aussi le propose et, euh, et je, je sens que c'est une très bonne idée J'espère que je n'ai pas oublié tout le monde. J'espère que je vous ai tous euh, salué. J'ai cherché sur YouTube des gars qui faisaient ça en FR, mais j'en vois pas. Tu veux dire quoi Des gens qui parient en live Ouais, c'est sympa l'idée. Non, mais ça peut être cool parce qu'au moins, si je donne un avis en direct, vous pouvez euh, suivre vraiment en direct aussi, tu vois. Ah oui, oui, ça serait... Ah, sur le foot, ouais. Bah si, il y a, y a Paul Suissa qui le fait, non Alors, qu'est-ce qu'il se dit Ah, ça vient de chuter, là. Tout à l'heure, je vous donner donné un 95%. Mais pour moi, j'ai du mal avec la côte de l'Argentine. Hein. Ici. Hein. Ah merde, vous ne voyez pas l'écran. Mais ouais, la côte de l'Argentine. Euh, Bolivie-Argentine, les gars, encore une fois. Hein, S'il y en a qui veulent suivre. Petite mise. Euh, si vous voulez suivre la Bolivie en sec ou euh, parier contre l'Argentine. Moi, j'ai lay, je crois, en moyenne à 1,58. Euh, je, je vous le remets ici. J'ai lay à 1,58 ici. Euh, le... Bon, dommage, ça drop. J'ai pas eu au meilleur prix. Mais j'ai parié contre l'Argentine ici. Euh, et d'ailleurs j'ai mis un parpin, donc euh, je vais le trade en live, celui-là. Alors espérer qu'il marque pas tôt dans le match. Alors là je serais super con parce que c'est simple, s'il per... marque tôt dans le match, je suis complètement euh, fuck là-dessus. Enfin euh, fuck oui parce que forcément la cote en live elle va encore chuter de l'Argentine s'il mène un 0. Mais clairement euh, là le but, bon vu que j'ai mis un parpin, euh, ça serait de... de, de... De les parier de trade en live, c'est-à-dire que là j'ai parié contre eux à 1,58 à peu près, je crois, ou 1,59. Et en gros, le but c'est d'aller en live. Non, suis ça, fais pas ça en live. Mais si, il prend des bêtes en live. Ah, tu veux dire en live, pardon, j'ai compris. Oui, euh, genre il est en direct. Ah bah ben non Eh ben non, parce que si Paul suit ça, il montrerait ses résultats en direct, hein avec son compte Bête avec tout, pour, pour, pour prouver qu'il gagne autant. T'inquiète pas que là sur Twitch tu peux pas te tromper, hein, tu peux pas tricher. Hein. C'est-à-dire que là il n'y a pas de photomontage montage, il y a pas de Photoshop, il y a pas de, tu vois, euh, voilà. Bah après tu me diras, on peut aussi montrer ce qu'on veut. C'est-à-dire que voilà, on peut montrer ce qu'on veut, mais moi au moins je vous montre, vous voyez, j'ai suivi ce tipster sur deux bêtes avec euh, en early market sur des marchés à petite liquidité. Vous, vous voyez que je l'ai pris. Enfin c'est pas du fake, j'ai parié en live quoi. Vous pouvez euh, mettre une loupe. Enfin j'ai bien parié de l'argent quoi. Euh, mais ouais. Alors par contre. Si je le fais, enfin si je le fais, je le ferai, euh, j'ai déjà fait un test, les gars, peut-être qu'il y en a qui ont vu, streamer sur YouTube, ma chaîne YouTube, donc allez-y si vous voulez me suivre, euh, combo ma chaîne YouTube et, et Kik, genre streamer en, comment on appelle ça, en... streamer en simultané sur mes deux chaînes, sur ma chaîne Kik et YouTube, pour euh, toucher plus de gens, euh, bon, ça serait pas sur Twitch dans ce cas-là, mais si je fais un... un stream en mode live, où on parie en live, euh, ça serait en mode... Euh, comment dirais-je voilà, en mode sur ma chaîne YouTube et kick. Donc euh, allez-y, hein, vous avez mon lien Linktree pour me suivre. Et euh, ouais, ça peut être sympa. Alors après, vu que je, je, je teste, on va dire, des stratégies, euh, je parierai pas des grosses sommes. Euh, sauf si vraiment euh, je suis sûr de moi sur la value. Et, euh, et voilà quoi. Et d'ailleurs, Bolivia-Argentine, on, on, on va le regarder le match. Hein. Bah tiens, allez. Ah bah non, bah, c'est aujourd'hui, merde. Attends, aujourd'hui 15h, mais non. Euh, 15 et 7. Ah oui, c'est plus tard. Eh ben pourquoi pas Eh ben vous savez quoi les gars Après la chaîne, là je vais streamer sur la chaîne de Poker Crusher d'ici euh, 10-15 minutes. Eh ben pourquoi pas lancer le match Bolivie-Argentine et le regarder en live. Mais par contre, est-ce que vous croyez que ça passe sur YouTube en live, ça Parce que si ça passe sur YouTube, je pense que j'ai le droit de le streamer, non Les gars, est-ce qu'il y a des, des, des top règles du, du streaming qui peuvent me dire ce que, si, si on peut regarder des matchs de foot en live euh, Genre quand c'est des matchs un peu, je sais pas, enfin euh, certains matchs... Enfin, je sais pas si c'est des matchs de, de niche, quoi, enfin, je sais pas, tu vois. Par exemple, en, aux états unis la, la deuxième division aux états unis les matchs passent en live sur une chaîne YouTube. Euh, il me semble que c'est une chaîne YouTube officielle. Ils passent les matchs comme ça, gratuitement, et je me dis, si ça, je le stream, est-ce que je peux avoir un souci ou pas si je vous passe le match en live et qu'on le regarde ensemble pour, euh, bah, pour, je sais pas, pour voir le match, voir s'il y a une opportunité ou autre. Et euh, voilà. Non Tout le monde s'en bat les couilles D'ailleurs, c'est énorme. Hein. Je suis repassé dans la catégorie poker sans faire exprès. Sans faire exprès. Enfin, parce que j'ai streamé poker hier. Et au final, là, je vois qu'on touche beaucoup de monde. Salette. Y'a qui dans la catégorie poker On a Matzo Star. Ah putain, on est, on est bien. Ah non, il vient de finir. September. C'est quoi le September C'est des, des réductions sur les subs Mais ouais, non, mais ça, ça peut être cool. Euh, streaming en live. On regarde des matchs en live. Euh, j'essaie de, de prendre des values, que ce soit la closing ou même euh, le trade en live. Ça peut être cool. Il faudrait que je me mette une banquerolle juste pour le live. Mais où est-ce que je le ferai parce que si je parie en live ça serait sur Orbitix. Euh, mais j'ai déjà la rôle sur Orbitix ou alors sur Piwi. Sur Piwi ça peut être pas mal genre euh... ah, ça peut être un bon challenge ça. Ouais mais après putain ça va me faire stream une tonne quoi. Genre après enfin je, je peux pas me permettre de streamer une tonne surtout que le soir ben je joue au poker. La nuit et tout, je, je suis un peu, un peu limité en temps. Euh, hmm, bonne question. Bon, il bah, va falloir que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je compte proposer du contenu sur ma chaîne YouTube. Et kick en simultané, donc, voilà, pour toucher un maximum de, de monde. Et, euh, et voilà. T'as tes stats poker en ce moment, c'est-à-dire... Mais j'ai pas joué en septembre encore. Euh, et en mois d'août, si tu veux voir mes stats perso, j'ai pris deux k en cash game. Euh, ouais, là, je parle que de cash game. Là, je, je parle même pas du de, de MTT, parce que le MTT, bah, j'ai peut-être perdu un peu ou gagné un peu, je sais plus, en mois d'août. Euh... Mais ouais, sur le tracker. J'ai trouvé une superbe appli pour le live. Pour le live quoi Le live poker, là Ou tu parles de live paris sportif Rimon. Dis-moi tout. Ah oui, je l'ai. Bah, je l'ai. Bah, d'ailleurs, j'ai rentré... Euh, cette session, ouais, elle, elle est très bien. Poker, bankroll, tracker, je l'ai. Je l'ai euh, sur mon téléphone et je me rappelle, j'ai commencé une session. Je revenais l'année dernière d'Équateur. Ou de. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, j'ai eu une escale à Madrid. Et ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Poker Bankroll Tracker. Ouais, je l'ai. Hop là Et j'ai mes résultats. Tu grindes quel rond principalement en cash game Wina, partie, BetClick. click. Principalement. Euh, ouais, et Unibet euh, un peu. Enfin, Unibet, faudrait que je me remette d'ailleurs. Euh, cash game. Bah ben voilà. Moins 1k. Ah bah ben, ma dernière session, <laughs> Regarde ma dernière session, elle est belle, hein. Moins 1k à cavalère en 5-5. Bah ben, j'ai perdu ma cave, quoi. Regardez, hop là. Ça c'est ma dernière session de poker, super. Enfin, c'est marqué là, votre dernière session. Moins 1k en live. Mais, mais sinon, je suis... Attends, Bankroll. Attendez non mais cette appli elle est superbe. Ah je suis à moins 135 euros, bah tu vois, sur combien de sessions 9 sessions. Euh, j'ai fait 9 sessions. Euh, je suis à moins 135 euros, donc bon, quasi break-even. Euh, là où j'ai pris le plus c'est à Madrid. Enfin, où j'ai pris le plus, ouais, c'est où ça s'est bien passé c'est à Madrid. Bah tiens, tu vois, tu sais quoi, regarde, hop là, 2022. Regarde, hop là 5,5 tu capes à combien À 1000. 5-5 je cave à 1000. Alors au début, sur la 5-5, j'avais cavé à À 4... À combien À 400 Non, ou 250, je sais plus ce que c'était le minimum. Je crois que c'est 250. Ou 200 même. Je crois que j'avais même cavé à 200. Je voulais avoir une stratégie short stack. Parce que les mecs, ils font n'importe quoi. Et au final, j'ai vu que ça me rendait fou parce que tu pouvais rentrer dans aucun coup. Euh, bah forcément, c'est euh, open, euh, t'as 200 balles devant toi. Le mec 5-5, ça va open à quoi 20, 25 eh Ben all-in, ok, all-in 200, et euh... Et euh, bon, Après au moins l'avantage de, de Short Stack c'est que bon tu euh, comment dirais-je Bah tu risques pas de perdre mille sur un coup comme moi ça m'est arrivé hein. que voilà j'ai perdu 1000 euh, voilà. enfin c'était même pas un setup mais ouais c'était un, un énorme combo draw euh, voilà. dans un gros pot euh, perdu Qu'est-ce que je te dis mais ouais le live c'est frustrant hein. surtout qu'à Cavalaire les gars on jouait 17 mains de l'heure 17 vous vous rendez compte 17 mains de l'heure les croupiers super lents euh, on était 10 à table je crois enfin franchement la full ring mais euh, pff, trop dur, enfin pas dur mais il euh, faut être patient quoi on jouait euh, 17-18 mains de l'heure mais c'est que dalle quoi tu vois vraiment c'est beaucoup trop peu quoi et euh, voilà après j'ai pas, putain et en plus à chaque fois c'est frustrant parce que tu vois t'as des mecs T'sais, ils ont 1K, 2K devant eux, tu pourrais... on pouvait caver jusqu'à 2K. Et forcément, dès qu'il y avait euh, le fiche de la table, qui voilà, parce qu'il y avait des fiches avec beaucoup d'argent devant eux, t'inquiète pas, hein, les pots à 3K, 4K, t'inquiète pas, ça allait chez les mêmes règles, ça me rendait fou, quoi. Tu sais, t'es là, t'attends une main, tu étais là, tu te dis, mais putain, l'autre, enfin, euh, il, il se fait spew tout dans la gueule. Hein, le live, c'est méga frustrant. Bon, sauf quand tu runs good. Alors là, quand tu runs good, là, c'est euh, trop bien, quoi. Mais sinon, euh... après, j'adore le live, hein. Mais je, je manque de patience, clairement. Je manque de. À un moment donné, je, je pète les plombs, quoi. Si j'ai pas une main pendant deux heures, je, je deviens fou, quoi. Alors qu'en ligne, t'as pas ce problème, quoi. Quand tu joues plusieurs tables, enfin, euh, ça va, quoi. Donc euh, ouais, donc là, je suis down en live sur les 9 dernières sessions, donc euh, que j'ai jouées en 2022, l'an dernier, ouais, parce que j'ai pas joué en 2023. Euh, perdu, voilà. J'ai perdu 135 euros sur 9 sessions. Bah voilà, c'est quasi break-even, hein. Enfin, voilà quoi, c'est pas... Voilà. Et je me rappelle, ouais, la dernière session, j'avais bien tilté. Ah. Ah, putain, je viens de voir Joël. Joël, du Média Parieur, je viens de voir ton bête, là. Elle est belle. VGG. Elle est belle. Merci à ceux qui arrivent. Chrono Beto qui est venu sur le Discord. Euh, là, putain, les gars, attendez, je vais déjà lancer... Euh, attendez, je vais couper le micro et je vais lancer... Je vais déjà lancer sur Poker Crusher sans euh, aller diffuser en direct. Allez, je lance déjà le stream sur Poker Crusher et on va. Euh, je vais y être dans 5 minutes à peu près pour essayer de respecter les horaires. Euh, ça fait longtemps, du coup, ça fait deux semaines que j'ai pas stream sur la chaîne de Poker Crusher. Mais sinon, c'est un peu mon créneau. C'est tous les mardis à partir de 17h30. Un petit stream d'une heure, tranquille. Euh, voilà, ça me plaît, j'aime bien. Euh, pour soutenir aussi un peu Poker Crusher et proposer un peu de contenu en mode. Euh, là, ça sera en mode. Voilà, on va aller sur YouTube et on va voir le contenu poker. C'est un peu comme je fais sur ma chaîne le mercredi, jeudi, réacte de vidéos YouTube dans les paris sportifs. Mais on, on le fait cette fois au poker. Et, euh, et puis voilà, quoi. Regardez un petit peu ce, ce que les gens nous proposent. J'ai carte blanche, voilà, Poker Crusher, il m'a dit c'est simple, il n'y a pas une chaîne où j'ai pas envie que ailles voir ou j'en sais rien. Je dis ok, bah pas de souci. Donc du coup, ben bah, je. On regarde un petit peu. Là, ce match, putain. Je, je suis très engagé hein, sur ce match. Hein. J'espère que euh, la Bolivie, ils ne vont pas faire de la merde sur ce match. Mais ouais, je, je peux pas m'empêcher de dire qu'au vu des circonstances, pour moi, l'Argentine est un peu bas ici. Aller jouer à 3500 mètres d'altitude, les gars, mais les gars, vous... Fin... Les Argentins, ils ont pas l'habitude. Enfin, et les Boliviens, c'est chez eux, c'est leur terre, c'est... Euh, mec, euh, au bout de 15 minutes, il euh, y a des joueurs argentins, ils vont avoir la tête qui tourne, et les Boliviens, ils vont être au taquet en pleine forme. Bah, D'ailleurs, il me semble que le dernier match de... qui s'est joué à la Paz, entre Bolivie et l'Argentine, la Bolivie a gagné. Ils avaient gagné 2-0, je crois. Bon, c'était déjà il y a un petit moment, mais c'était à ce stade-là. Et en fait, c'est pour ça que je le contre l'Argentine, c'est uniquement parce qu'ils vont jouer dans ce stade, qui est le stade le plus haut du monde, et les gars... Déjà que Quito, là où je suis, c'est 2800 mètres d'altitude. Si vous n'avez pas l'habitude, allez courir à 2800 mètres d'altitude. Quand vous n'avez pas l'habitude, je peux vous dire que vous tombez dans les pommes. Hein enfin, c'est dur. Sauf si vous êtes déjà habitué à l'altitude. Évidemment, la condition physique, ils l'ont, hein, les Argentins, c'est même plus que les boliviens, mais, mais euh, l'altitude change tout. quoi. Allez jouer, vous pouvez vous dire, les boliviens ils vont jouer au match au, 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 au Pérou, ou au Pérou, Machu Picchu, je peux te dire qu'ils ouais, bah, te les éclatent. Hein. Après, il n'y a pas de terrain de foot là-bas. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries. Donc, euh, tiens, je regarde Monopoly, on en est où? Agin gagne et under 44. Tiens, Winamax, il y a un bête rugby là. J'ai une alerte. Agin qui gagne. Je vais le prendre en direct là. Agin. Il est où? Merde, pourquoi il sort Attends. J'ai quelqu'un qui me, qui me trouve une value sur un match de rugby. Agin gagne. Hein Et under 44,5. Pourquoi je l'ai pas Il a sauté alors Je cherche un bet sur Winamax sur les codes boostés. Winamax rugby. Mais non, je ne la trouve pas. Les gars, vous trouvez Ah oui, Agin gagne et moins de 44,5 points dans le match. Je vais le prendre. On va le prendre. Cote euh, à 3. Je fais confiance. Jean. Tiens, je peux vite Regardez vite fait. D'ailleurs, c'est dur à calculer. Hein, le euh, combi euh, vainqueur plus euh, moins de, de temps de buts, temps de... Enfin, de, de points, pardon. Dans ce cas. Mais clairement. Euh, Under 44,5. Ah, il n'y est pas. cote à 3. Bon, ok. Bon, on l'a prise de celle-là. On l'a prise celle-là. S'il y en a qui veulent suivre sur la code boostée, Agent gagne et moins de 44,5 points dans le match. Code boostée, 50 euros. Je viens de mettre les 50 euros. Et voilà. Car c'est value selon quelqu'un. Euh, voilà, selon quelqu'un quelqu en qui j'ai confiance. Alors. Oh bah tiens, merci. Tiens, il y a du monde. Un parieur à Akito. Après, il ne faut pas trop le dire que je suis à Akito. Hein. Merci, merci beaucoup hein, pour le, le soutien, The Puck, qui est David. Un parieur passionné. Ah, ah bah, c'est super sympa. On va te retweet. Pronor, c'est qui Pronor Conseiller en paris Sportif. ok. Pronor.fr. En tout cas, merci hein, pour... Ah bah tiens, il y a encore uh, TB Tennis qui est là. D'ailleurs, on va aller voir sur son Bet2Invest où, où est-ce qu'il en est. Euh, Bet2Invest, Bet2Invest... Tipster, TB, attends, on va aller voir mes tipsters. Ah, attendez, vous voyez pas à l'écran. TB type, TB Tennis, qui run selon moi bad. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai juste regardé un truc. 4,83. Putain, il y a la bat de 0,02, quoi. La closing, et, et il prend tempête. Il prend tempête notre ami, mais moi j'estime qu'il n'a pas de chance et, euh, et je le soutiens en tout cas. Et ça m'est arrivé de le suivre sur certains de ses bêtes, euh, clairement. Et au final, on n'a pas lu de blog sur 2 Invest. On le fera la semaine prochaine ou peut-être demain. Demain, on peut faire une spéciale 2 Invest. Vous savez quoi, demain. Allez, parce que vas-y, parce que deux react YouTube, ça fait beaucoup. Jeudi, c'est la place du jeudi. Le jeudi, c'est YouTube React dans les paris sportifs. On regarde des vidéos ensemble à propos des paris sportifs en général. Ça peut être n'importe quoi, du moment que ça touche aux paris sportifs. Et il euh, y a les derniers articles, vous savez quoi, demain je, je vais le faire, une euh, spéciale Bet to Invest 2, où justement on va lire un petit peu les articles, parce que ben, je trouve qu'ils font du contenu de très haute qualité, Bet to Invest, et euh, du coup ça va permettre de lire, on a, on a déjà lu celle-là en live, euh, le héros et le rock en Paris Sportif, qu'est-ce que c'est euh, Bon ça c'est des nouveautés, on va pas lire, c'est à chaque fois les nouveautés, mais placements suivant pour nos stickers en Paris Sportif, voilà des blogs sympas, euh, qu'ils en proposent plusieurs, euh, le dernier c'était le... le 11 ah, ouais, avoir. Un... Ah, bah tiens, on va, on va lire, lire celui-là demain, tu sais quoi euh, C'est le dernier, c'est le 11 septembre, il est tout frais. Les codes d'ouverture, avoir un coup d'avance sur le marché. Ah, génial. Allez, on, on le lira celui-là. Demain, spécial bet to invest 2. Et, euh, et voilà. Et attendez, je regarde de l'autre côté où j'en suis. Ah, bah va falloir bientôt que je lance, je crois, parce que. Il reste 3 minutes de l'autre côté. Euh, et vous allez me voir, attendez deux secondes. Poker Crusher, est-ce que la chaîne elle est bien lancée Je dirais que oui. Non, je la vois pas. Est-ce que quelqu'un voit la chaîne de Poker Crusher, s'il vous plaît, dans la catégorie poker Je dirais que. Ah oui, c'est bon. Ah d'ailleurs, faudra changer le titre. Euh, ouais, faudra changer le titre, mais c'est pas grave, vas-y. Allez, on va envoyer ça, lancer un raid. Poker Crusher. Les gars, on se retrouve de l'autre côté, les gars, comme ça on va aller voir un petit peu des vidéos euh, des vidéos euh, poker, on va aller découvrir un petit peu des chaînes, on va peut-être regarder même une vidéo de la chaîne de Poker Crusher, voir un petit peu leur actus, ce qui se passe. Et euh, et puis voilà, et puis moi je vous retrouve de l'autre côté. Soyez euh, Voilà, je vous retrouve demain dans tous les cas Demain dans tous les cas on se retrouve pour un stream spécial between best 2, on va lire des blogs on va, on va, on va du coup tout simplement euh, voir du contenu paris sportif pour en apprendre un peu plus sur le fonctionnement des paris sportifs. Voilà on apprend un petit peu plus chaque jour partager échanger et je vous dis à de suite de l'autre côté.